Bonsoir, Monsieur Perron est notre nouveau candidat permanent, en quelque sorte, puisqu'il n'est pas permanent. On va voir, mais il a gagné déjà une fois. Comment se te sens, Monsieur Perron, aujourd'hui? Comme avant. Comme avant, ça n'a pas changé. Bien, de jour en jour, bon, c'est la même chose pour moi. Il n'a toujours pas dormi, de toute façon. Hein? Il n'a toujours pas dormi. C'est l'estomac qui est serré. Ah. Très serré. Encore plus que la première fois? Il y a des nœuds, il pourrait dénouer. Bon, vous faites ça sous la table, hein, qu'on s'en rende pas compte. Monsieur Pérez sera votre adversaire ce soir. Bonjour, Monsieur Pérez. Bonjour, monsieur. Vous êtes très jeune, j'ai l'impression, en tout cas. Hein? 22 ans. 22 ans. Vous êtes célibataire, vous venez de Vénissieux. Voilà. Ça se trouve où, Bertrand? Dans le Rhône, dans la banlieue de Lyon. C'est bien connu, maintenant. C'est bien connu, oui. Oui. Et vous êtes actuellement, comme le dit votre fiche, actuellement à la recherche d'un emploi. Voilà, c'est-à-dire la comptabilité ou dans le commercial. Bon, alors, lancez un appel à quelqu'un que ça intéresse, de prendre M. Pérez. Et vous avez, je crois, un copain qui est d'ailleurs fait le plaisir de revenir sur cette émission. Eh bien, oui, M. Courvoisier. Qui est votre entraîneur. Qui est venu m'encourager, voilà. Il vous a un peu entraîné, parce que ça s'est bien passé pour M. Courvoisier quand il est venu. Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'il vous a donné, par exemple, comme lui qui est un, disons maintenant, une espèce de vieux de la vieille de cette émission? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quels sont les conseils qu'il vous a donnés? Je les garde pour moi, je ne vais pas les dévoiler. Ah si, non, quand même. Vous donnez quelques petits conseils, lesquels? Non, pas de tactique, mais de... Non, il n'y a pas de tactique, il faut se maîtriser, quoi, c'est tout. Il vous a dit maîtrise-toi. Voilà, en gros. Bien, c'est pas mal. Alors maîtrisez-vous, mais moi, quand je vois Bénédicte, j'arrive pas. À peine à me maîtriser, quand même. Alors faire. C'est à vous. Hein? Première. C'est ça. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Troisième. 9, 8, 75, 4, 100 et 6. Merci Bénédicte. Elle aime beaucoup les jeunes, Bénédicte. Ouais. Vous voulez dire Gigi, peut-être? Bon, allez, on va pas rester là sans attendre. C'est à vous, super. Le permis de compte est bon. 100 plus 4 égale 104. On ne l'applaudit pas. Non, 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 non. Mais c'est moi qu'ils applaudissent. Ah oui, pardon, Bert. 8 points, Monsieur Perron. Consonne. S. Consonne. B. Voyelle. O. Consonne. M. Voyelle. U. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. A. Est-ce que ça va? Parce que vous me semblez souffrir terriblement, là. Il y a le cœur qui s'affole. On a 9, alors. 9, oui. Cambrouse. 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 C'est sur Robert, je crois. C-A-M-B-R-O-U-S-E. Cambrouse, oui. La Cambrouse, oui. C'est l'autre, enfin, Cambrouse ou Cambrouse. On peut dire les deux. On peut dire Cambrouse aussi. On peut dire se perdre dans la Cambrouse. Tellement ému d'avoir un 9 lettres. On en apprend 9 à 8, Monsieur Pérez. Oui. Consonne. T. Voyelle. U. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. H. Voyelle. A. Consonne. M. Voyelle. I. Consonne. N.
C'est Pérez. 8 lettres. Pareil. Humanité. Oui. Oui, un peu d'agitation dans la salle, pas pourquoi. Ça rime bon, avec Meunier en général. 16-9, monsieur Théron, les chiffres. Combien ? Deuxième. Troisième. Quatrième. Troisième. Quatrième. 7, 25, 4, 3, 6 et 5. Private Joe. 894. De monsieur Théron. Le compte est bon. Mmh. 7 plus 5, 12. Par 3, 36. 36 multiplié par 25, 900. 900 moins 6, 894. Très bien. Bravo. 17, 16, c'est à monsieur Pérez. Consonne. B. Voyelle. E. Consonne. D. Voyelle. O. Consonne. G. Voyelle. I. Consonne. Z. Voyelle. E. Consonne. H. Six. Pareil. Géoïde. Géoïde. Géoïde, c'est-à-dire... Géoïde de la lunette. Oui, par exemple. Géoïde. Ça doit concerner la géode, non ? Géoïde, oui. C'est une surface normale en tout point de la Terre, à la verticale du lieu, et coïncidant avec le niveau moyen des mers. Moi, je n'ai pas ça du tout. Ça correspond à l'altitude zéro. Qu'est-ce que vous avez ? Moi, j'ai volume géométrique correspondant à la forme réelle de la Terre. Point final. Ils sont pas d'accord. De toute façon, c'est pas très clair. Hein. 22 à 17, monsieur Théron. Consonne. Q. Consonne. A. Non, pardon. Mais moi, consonne, toutes les études. D. Voyelle. E. Consonne. G. Voyelle. O. Consonne. M. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. U. C'était rond. 7, pas mieux. Dégoûté. Dégoûté. Oui, c'est très bien. 7 points, 24, 22. Première. Deuxième. Troisième. Deuxième. Troisième. Deuxième.
2, 1, 5, 3, 10 et 10. Comptez bon. Alors 5 et 2, 7. 10 fois 10, 100. 7 fois 100, 700. Plus 3, plus 1, 704. Trente pour M. Pérez et 24 pour M. T. Consonne. Q. Consonne. T. Voyelle. O. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. G. Voyelle. U. Rond. 7. 7. Pas mieux. Loqué. 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 Déloqué plutôt. Ou talqué. Ouais. Au pluriel. Oui. Trente. Monsieur Pérez. Consonne. F. Voyelle. E. Consonne. L. Voyelle. O. Consonne. N. Voyelle. U. Consonne. D. Voyelle. E. Et consonne. B. Monsieur Pérez. 7. C'est bon. Défoulé. Défoulé. 7. Oui, il y avait doublé également. 37, 31, un coup de chiffre. Le dernier. Première. Seconde. Troisième. Quatrième. Troisième. Quatrième. 50. 8. 8, 2, 9 et 7. 307. Merci. Thank you.
le compte est bon. 8 moins 2, 6. 50 fois 6, 300. 300 plus 7, 307. Et vous terminez en tête cette première manche avec deux petits points d'avance, dû simplement, uniquement au tirage. Tout va bien pour M. Pérez, qui m'a l'air assez décontracté. Pour l'instant, ça va. Non. En tout cas, l'apparence, ça nous promet de toute façon, ce que nous aimons bien d'ailleurs, une belle deuxième manche. Comme nous aimons bien aussi retrouver la très belle Ariel. Pour un club. Bah oui. Et un club dans, qui se trouve dans une région magnifique, puisqu'il s'agit du Vaucluse. Très exactement à Lille-sur-Sorgue. Ah oui, formidable, j'adore. C'est une ville splendide. Le club de Lille-sur-Sorgue ouvre une section... Très belle foire à la brocante. Comment ? Très très belle foire à la brocante au mois d'août. Ouvre une section pour les jeunes de 11 à 15 ans. Tous les mercredis de 14h à 16h. Vous pouvez vous renseigner auprès de Madame Bossan au centre cantonal avenue Napoléon Bonaparte à Lille-sur-Sorgue. Son téléphone est le 90 38 22 64. Voilà, mes chers amis, nous allons nous quitter en nous donnant rendez-vous eh bien, pour la seconde manche du match passionnant qui oppose M. Pérez à M. Théron. Ma table bouge, qu'est-ce qui se passe? Les esprits sont là. Bonsoir et merci. Bonsoir, deuxième manche du match opposant M. Théron, qui a actuellement 39 points, à M. Pérez, qui en a 37. Pas de discussion superflue, M. Pérez, les chiffres. Première. Ah, moi, je croyais que vous alliez justement... Non, c'est comme ça. Entrer dans cette discussion. Je ne vous ai pas laissé le temps de vous assoupir, Bénédicte. Allez-y. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Deuxième. 9. 75, 6, 6, 1 et 7. Monsieur Pérez. Le compte est bon. Oui. Alors 75 plus 9, 84. Plus 6, 90. 7 moins 6, 1. Plus 1, 2. Et 90 fois 2, égale 180. Par exemple. Ça va, M. Théron ? Ça va, M. Théron ? Consonne. L. Consonne. S. Voyelle. O. Consonne. F. Voyelle. I. Consonne. D. Voyelle. E. Consonne. R. Voyelle. I.
Mais c'était rond. 7. 7. Je tente 8. Oui. Des filoirs. Des filoirs. Des filoirs. Des appareils. OIRS. Pour OIRS. Filer. Ben oui, on sait jamais. Hein. Moi, je n'ai pas. Ni OIRS, ni OIRS, non. De toute façon. Ben, tant pis. Monsieur Tibi, qui nous est revenu, va nous dire quelque chose dès qu'il aura un micro. Avec Floride. Je ne l'ai pas, moi, justement, Floride. C'est Floridé, en principe. C'est Floridé, ES. Oui. Floride, dans le sens avoir le plein Floride. Je ne l'ai pas chez moi, mais peut-être Ariel. Floride, non, moi non plus, j'ai Floridé. Bien, alors. Non, non. 47-45, monsieur Pérez. Consonne. R. Voyelle. O. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. L. Voyelle. A. Consonne. S. Voyelle. U. Voyelle. E. Résultat de monsieur Pérez. 8 lettres. 8. Pareil. Estral. Pardon ? O. Estral, oui. Ah, Estral, oui. Estral. Oui, donc Estral, c'est tout à fait juste. Cela désigne par exemple le cycle Estral, modification périodique des organes génitaux femelles. D'accord. 53-47. Les chiffres, monsieur Théron. Combien ? Seconde. Première. Seconde. Troisième. Quatrième. 4, 3, 8, 5, 3 et 5. Théron. 888. C'est bon. 5 multiplié par 5, 25. 3 fois 4, 12. 25 plus 12, 37. 37 multiplié par 3, 111. 111 multiplié par 8, 888. Bah oui, c'est pas mal du tout. Personne ne semble l'avoir. Et nos deux candidats sont à mi-chemin de la deuxième manche, à égalité 53-53. Quelle belle histoire, monsieur Pérez. Consonne. P. Voyelle. O. Consonne. R. Voyelle. A. Consonne. N. Voyelle. E. Consonne. M. Voyelle. A. Consonne. C. Pérez. 7 lettres. 7. C'est bon. Romance. Romance. À la belle histoire.
Joli mot. Non, il n'y a pas de mot. 60-53, monsieur Théron. Consonne. R. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. N. Voyelle. Y. Consonne. S. Voyelle. O. C'est bon. Seigneur. Pardon ? Seigneur. Seigneur. Ah, des seigneurs. Oui. Oh, je pense qu'il n'y a pas de problème. Seigneur. Seigneur. Oui, c'est un nom, donc on peut très bien mettre un S. Et 60 partout. Ah là là, les chiffres. Première. Première. Deuxième. Première. Deuxième. Première. Et deuxième. Non, 100, 4, 10, 6, 7 et 9. Pérez. Le compte est bon. Alors, 100 plus 7, 107. Par 9, 963. 6 moins 4, 2. 10 sur 2, 5. Et 963 plus 5 égale 968. Et 68 à 60, monsieur Théron. Consonne. C. Consonne. V. Voyelle. E. Consonne. G. Voyelle. I. Consonne. N. Voyelle. A. Consonne. R. Voyelle. E. Monsieur Théron. C'est pas mieux. Raciné et eux. Raciné. Il y avait raviné, alors raciné. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Robert, ouais, je crois que c'est marqué à la fin. Oui, alors oui, ça n'est pas du tout prendre racine, mais teindre en brun fauve. Tiens. Oh ouais. Pourquoi en brun fauve? 68, c'est une bonne question. Hein? C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée, mais oui, je vais vous répondre. Ah. Car on teint en brun fauve, car on teint avec des racines, une décoction de racines de noyer. Ah. Ah. Comme ça, qu'Ariel se fait alors. Non, c'est du henné. Ah, c'est du henné chez vous. Ah oui, non, je ne me teins pas les cheveux en brun fauve. Non, non.
Allez, 68-67, c'est si je ne m'abuse, ma chère Denis. Voilà. Consonne. K. Consonne. M. Voyelle. I. Consonne. R. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. N. Consonne. C. Voyelle. I. Terron. Alors, monsieur Perret. Sept. Pareil. Minceur. Minceur. Oh, c'était monsieur Courvoisier, ça. Minceur, on l'applaudit maintenant. Ben on oui. L'applaudir. 75-67. Et vous l'avez deviné vous-même, si monsieur Tiron fait maintenant le compte est bon, eh bien, ils seront à égalité. Nous recommencerons. Il n'a pas l'air de réjouir, monsieur Théron. C'est à vous. Allez-y. Première, alors. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Première. Un. Un. Dix. Deux. Sept. Et 25. Quatre cent quatre-vingt-onze. 3 match nul, monsieur Théron. Comptez bon. Alors prenez votre temps, prenez votre temps, pour l'énoncé. Allez-y. 1 plus 1, 2. 10 multiplié par 2, 20. 25 multiplié par 20, 500. 7 plus 2, 9. 500 moins 9, 491. Bravo. Superbe match nul, 75 partout. C'est formidable, ça arrive Une surenchère souvent. Malheureuse. Hein? Une mauvaise surenchère malheureuse. C'est-à-dire, ah oui. C'était très mérité, là. Si vous n'aviez pas tenté 8, vous gagniez d'un point, c'est ça, non? Enfin, avec des 6, de toute façon. Monsieur Théron, comment ça va? Ça va, ça a l'air d'aller mieux. Ah, voilà, je vous sens bien. Vous avez plaisir à rebattre, plutôt vous rebattre contre Monsieur Pérez, non? Oui, bon, je vous assure qu'en tout cas, le téléspectateur est fort joyeux. Maintenant, peut-être que ne tenez-vous pas compte du téléspectateur. Si. Si, si. Ah, bah voilà, j'en étais sûr. Je le serai. Il faut, oui, signaler, il faut signaler, ça fait 4 nuits que M. Théron ne dort pas. C'est très étonnant. Oui, mais il a plutôt meilleure mine, je trouve. Oui, 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 absolument. Oui. J'ai dénoué un nœud, alors ça va maintenant. Vous avez dénoué un nœud, il vous en reste combien encore? Oh, il sera à peu près. Quant à M. Pérez, bah, tout s'est bien passé. Oui, hein? Ça va. Voilà, et eh bien nous repartirons avec les deux mêmes jeunes, sympathiques, dynamiques et talentueux candidats. J'ai mis le paquet. La prochaine fois, nous avons un petit peu d'avance encore une fois, parce que ça va très vite avec eux, ils tirent vite, ils comptent vite, ils jouent vite. Personne, un petit club peut-être? Oh ben un petit club, pourquoi oui, pas. Ça fait toujours plaisir. Un club, le club de Célestat dans le Bas-Rhin. Bah oui. Dont le président est monsieur Luman. Mais oui. Téléphone 88 82 25 85. Et les réunions se déroulent au foyer Notre-Dame, rue Hans Tiefenthal, à Célestat, tous les vendredis de 20h à 22h. Très bien.
Et je voudrais que Bénédicte reprenne son petit sourire coquin qu'elle a de temps à autre. Oui, les boîtes de jeu, là, personne ne les prend. Donc. Non, mais la télé fait une grosse économie, là, voyez-vous, parce que. Je pourrais pas les avoir, non. Vous voulez les avoir? Oui. Mais écoutez, une fois au moins dans les mains, je pourrais les avoir. Je vais me permettre. Ah ouais, c'est une très bonne idée, ça. De vous remettre, ma petite Bénédicte. Oh, je ne les ai jamais tenues. Pour le Noël prochain de vos enfants. Je suis émue, là. Voilà. Merci. Une petite boîte. Merci, merci. Une petite boîte. Oh, c'est joli. Et puis le journal des chiffonnettes de jeux, notre temps, auquel vous n'êtes pas abonné. Ah bon? Non, parce qu'ils ne veulent pas. Et vous aurez le droit de le rendre dès que vous aurez fini les jeux. D'accord. Vivement le prochain match nul, qu'on ait des boîtes de jeux nous aussi. Je suis contente. Hein. Voilà, le prochain match nul, vous aurez chacun vos boîtes de jeux. Je n'ai pas perdu ma soirée, là. Vous n'avez pas perdu votre soirée. Et les téléspectateurs non plus. Bonsoir et merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bertrand. Tellement rare que je vous remercie particulièrement. Merci Bertrand. Vous ne vous trompez pas, il s'agit bien des deux mêmes candidats. Oui, merci. Peut-être un peu trop là. Puisque pour ceux qui étaient absents à la seconde manche, qui auraient vu la première, enfin c'est une longue histoire, M. Théron et M. Pérez se sont retrouvés dead hit, comme on dit en jargon hippique. Ce qui va très bien pour M. Théron. Ah oui, très bien. Bravo. Merci. Là, vous pouvez. Ils se sont trouvés quoi? Parce que nous faisons... Dead it, on dit. C'est-à-dire la tête pareille. Dead it. Vous savez, quand deux chevaux passent la... La ligne en la même ligne temps. Exactement en même temps et qu'à la photo, ils sont exactement pareils. Il y a un cheval. Oui. Et alors... Et le museau, Plouf. Voilà. Hein? Vous avez compris, mon petit gars? D'accord. Vous êtes comme Samson, puis vous avez perdu vos cheveux, vous, ça va pas... Oui, j'ai un peu très fort, bien. C'est vrai. Allez. Alors, le climat, l'orée de ce deuxième match, Monsieur Théron. Bien, c'est significatif. Monsieur Pérez. On va essayer de faire aussi bien. Un deuxième match nul, ça serait rigolo. Je ne pense pas que ce soit déjà arrivé dans l'histoire des chiffrelettes qu'il y ait deux matchs nuls de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On retire ça encore? Bon, écoutez, je pense que cette fois-ci, c'est à M. Théron de choisir, puisqu'il n'a pas choisi la première fois. Père. Alors, monsieur. Et ce n'est pas à vous. M. Pérez qui a la parole. Alors, première. Deuxième. Troisième. Faut que je baisse mes manches? Oui. Il faut que je baisse mes manches. Quatrième. Première. Quatrième. 3. 50. 2, 9, 4 et 6. C'est ça? 753. Alors, M. Pérez, vous comptez bon. Alors, 9 et 6, 15. Par 50, 750. Plus 3, égale 753. Consonne. T. Consonne. T. Voyelle. T. I. Consonne. T. Voyelle. U. Consonne. M. Voyelle. E. Consonne. Z.
Voyelle. O. Je vous ai offert un bien mauvais tirage, mais... 7. 7 quand c'est même. C'est bon. Toutim. Toutim, vous écrivez T-U-T-I-M-E. Toutim. Oui, c'est tout le reste. Oui, tout le reste. Toutim. Et Toutim. Huit, sept. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. M. Voyelle. I. Consonne. V. Voyelle. A. Consonne. T. Voyelle. I. Consonne. V. Super. 8. Bon. Vivacité. Vivacité. Ah, vous utilisez les deux V. Oui. 16, 7, les chiffres. Première. Deuxième. Première. Deuxième. Quatrième. Première. 9, 5, 1. 8, 75 et 100. Monsieur Théron. Le compte est bon? Oui. 5 plus 1, 6. 8 moins 6, 2. 75 par 9, 675. 675 moins 2, 673. Très bien. 16 à 15. Consonne. D. Voyelle. E. Consonne. P. Voyelle. O. Consonne. D. Voyelle. U. Consonne. S. Consonne. T. Et voyelle. E.
Monsieur Théron. Non, c'est à moi. Monsieur Perret, pardon. 7, pareil. Député. Député. Oui, ou des étoux. Également. Non. Non, non. Bien. Je vous écoute, monsieur Théron. Consonne. D. Consonne. L. Voyelle. A. Consonne. C. Voyelle. U. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. N. Voyelle. I. Monsieur Théron. 7. 7. 8. Radicule. Radicule, bravo. Radicule. La radiculture, c'est bien connu. Partie inférieure de l'axe de l'embryon qui deviendra la racine, mais en se développant. Non, vous ne l'avez pas ? Non. Bien, alors, premier petit avantage pour Monsieur Pérez, 31-15, les chiffres. Première. Très deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Troisième. Un, sept, huit, quatre, deux et cinq. Cinq cent quinze. Pérez, comptez bon. Oui. Alors 7 fois 8, 56. Moins 4, 52. Par 2, 104. Moins 1, 103. Par 5, égale 515. Mais très bien. Trente-neuf, quinze, monsieur Théron. Consonne. P. Consonne. D. Voyelle. U. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. N. Voyelle. A. Consonne. B. Voyelle. U. C'est bon. Répandu. Répandu. Oh oui, pas de problème. Sept points. 22, 39. Monsieur Pérez. Consonne. J. Voyelle. E. Consonne. N. Voyelle. I. Consonne. H. Consonne. T.
Voyelle. O. Voyelle. E. Consonne. B. Monsieur Pérez. 7. C'est bon. Béotien. Béotien, oui. Béotien, oui, bonite. Et ce sont, eh bien, les chiffres pour monsieur Théron. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Première. 8. 6. 3. 7, 2 et 3. Le compte est bon. 6 et 2, 8. 8 fois 7, 56. Plus 3, 59. 59 multiplié par 8, 472. Nous allons rester là pour ce soir. Le score est de 46 à 30. Donc, monsieur Théron, cette fois-ci, est un petit peu en difficulté. Un tour à reprendre. Ça va ? Moi, je suis content plutôt. Vous préférez être en position un peu défavorable ? Il faut dire aussi que ça fait 5 nuits que M. Théron ne dort pas. Bertrand, ça fait beaucoup. Vous, quand vous en tenez une, vous ne la lâchez pas. Hein, je peux le dire. Hein. Ah là 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 là. Bien, à vous, ma chère. Vous non plus, d'ailleurs, vous ne les lâchez pas. Je ne lâche pas quoi ? Les clubs. Bon, passons. C'est une annonce très importante puisqu'il oui. s'agit du tournoi de Sucy-en-Brie. Ah. Ce tournoi aura lieu... Ah, on l'applaudit. Ben oui, on fait franchement, alors là... Sucy-en-Brie qui nous a donné tant de beaux champions. Eh oui. Et de belles championnes. Ce tournoi aura lieu le samedi 28 février et le dimanche 1er mars, 87 bien sûr, à 13h30 à la salle des fêtes de Sucy-en-Brie. Et il faut contacter Monsieur Costa pour oui, avoir qu'il y a des beaux bateaux aussi, des renseignements. Oui, bien sûr. Oui. 45 90 16 96. Voilà. On peut me le refaire exactement comme ça. Attendez, attendez, attendez. On peut refaire la fenêtre là. C'est trop compliqué techniquement. C'est formidable que vous faites. Alors vous auriez fini, mettons, et puis vous faites. Voilà. Oh, c'est pas beau ça, hein? Voilà. Oui. Alors voilà, faites voilà, voilà et hop. Voilà, voilà, ben voilà. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Voilà. Hein? Quoi, Dani? Hein? Ah, vous n'avez rien dit? Non. Bon, et ben voilà. On peut venir jusqu'au journal de 20h, comme ça. Bénédicte, oui? Vous voulez dire quelque chose, Bénédicte? Oui, vous voulez pas dire, du tout. Vous voulez pas dire du voilà, tout. Non? Pas non, Bénédicte, c'est ça va, plutôt. Ça va, oui. Ça va? Moi, ça va. Voilà. Bon, c'est histoire sans parole. Et ben voilà. C'est quand vous voulez, hein, parce qu'effectivement, on reste là jusqu'à minuit. Là, on fait pas beaucoup d'audience. Marguerite Duras. Voilà, merci, bonsoir.
Mesdames et messieurs, vous ne me voyez pas. Il se passe un drame sur le plateau. Notre maquilleuse, Brigitte, qui est à l'antenne actuellement, a perdu toutes ses petites affaires. Elle a tout fait tomber par terre, ses petits pinceaux, ses petits trucs. Qu'est-ce qui se passe, ma petite Brigitte? Ben, c'est comme ça. Ce sont les à côté de l'émission. Tant il y a des petits drames comme ça. Vous êtes témoin d'un petit drame. Enfin, ça s'arrange. Elle me fait ça. Je vais en prendre comme on dit. C'était quoi la chanson déjà? Garde ta gueule à la récré. Oui, ah oui. Ah oui, tu vas voir ta gueule à la récré. Ben, ça va être exactement ça. Bonsoir, nous retrouvons M. Pérez qui a 46 points et M. Théron qui n'en a malheureusement pour lui que 30. Un tour à reprendre, il nous a confié la fois dernière qu'à la limite il préférait ce genre de situation. Il y a des gens qui n'aiment pas faire la course en tête comme ça. Espérons que ça vous portera bonheur. M. Pérez, c'est à vous, les chiffres, Bénédicte, tout rayé. Première. Comme un zèbre. Qu'est-ce que vous avez dit, M. Théron? Comme un zèbre, j'ai dit. Comme un zèbre, oui, elle est. Mais les zèbres, c'est quoi? Pour aussi vite, vous savez. Pour aussi. Oh, c'était très joli ce que tu viens de dire, là. Deuxième. Bon. Troisième. Troisième. Quatrième. Quatrième. 1, 25, 10, 4, 6 et 50. Résultat de M. Pérez. 633. Le compte est bon. Oui. Quatrième, 5. 10 divisé par 5, 2. 50 divisé par 2, 25. 25 divisé par 25, 625. Plus 6, 631. Bravo. Mais oui. Vous avez peut-être raison de penser ce que vous pensez là. Il y a le palpitant qui... Ouais. Allez, on se reprend. 46-38, c'est à vous. Consonne. C. Consonne. S. Voyelle. U. Consonne. N. Voyelle. O. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. D. Voyelle. Y. Il y a souvent des Y, hein, j'ai remarqué. Oui. Théron. 7. C'est bon. Custode. Custode, la custode, oui. La custode. C-U-S-T-O-D-E. C'est un terme qu'on emploie en parlant de la carrosserie d'une voiture et ça désigne le panneau latéral de la carrosserie à hauteur de la roue arrière. Ah oui, moi c'est intéressant parce que pour moi c'est la boîte où le prêtre enferme l'hostie, ce qui est tout à fait ce que vous venez de dire. C'est aussi un autre sens. Ça c'est drôle. Oui. Bien, ben, vous êtes revenu sur les talons de M. Pérez. 45-46, M. Pérez, c'est à vous. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. V. Voyelle. O. Consonne. X. Consonne. L. Voyelle. I. Consonne. G. Voyelle. E.
Pérez. 7. 7. C'est bon. Voligé. Voligé. Oui. 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 Je vais mettre deux ailes. Dernière de Voligé. Deux ailes. Un seul aile. Un seul aile. Un seul aile. Mais et. C'est garnir de volige, c'est-à-dire qu'une volige est une planche mince utilisée dans les couvertures et les cloisons, pour les charpentes, ah bon, par exemple. Oui. Très bien. 53-45, les chiffres, monsieur Théron. Première. Seconde. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. 5, 9, 5, 10, 9 et 100. C'était bon. 635. C'est bon. 9 et 9, 18. Plus 10, 28. Plus 100, 128. 128 multiplié par 5, 640. Moins 5, 635. Oui. Monsieur Tibi qui est toujours parmi nous. Ah, monsieur Tibi, allez-y. Le compte est bon. Oui. 100 plus 10. Égale 110, multiplié par 5, égale 550, 9 fois 9, 81, plus 5, 86, plus 550, égale 636. Tout à fait. C'est, on est mieux là-haut, hein, pas de problème. Hein. 53-51, retour vers M. Pérez. Consonne. V. Voyelle. O. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. H. Consonne. F. Voyelle. O. Consonne. R. Voyelle. I. Pérez 7. 7. Favori. Pardon. Fabien. Favori. Favori. Au pluriel. Oui, bah c'est bien, parce que le tirage n'était pas, ouais, pas très facile. Hein. Plus la 7 mode. Points. 60 à 51, monsieur Théron, les lettres. Consonne. F. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. O. Consonne. N. Consonne. D. Voyelle. E. Consonne. N. Consonne. C. Monsieur Pérez, c'est ça? Oui, non, monsieur Théron, pardon. 6. 7. Enfoncé.
enfoncé. Défoncé. Qui revenait au même. Ah, monsieur Théron, c'est incompréhensible. Alors. Ah oui. 7 points pour monsieur Pérez qui repart en tête. 76-51. Chut, monsieur Pérez, c'est à vous. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Troisième. 2, 75, 4, 1, 6 et 7. Le bon compte est-il là ? Oui, le compte est bon. Alors 75 plus 6 égale 81. 4 fois 2, 8. 81 fois 8, 648. Moins 1 égale 647. ...67-51, les lettres. Consonne. G. Consonne. V. Voyelle. U. Consonne. L. Voyelle. I. Consonne. N. Voyelle. O. Consonne. R. Voyelle. E. C'est rond. 7. C'est bon. Onglier. Onglier ? Onglier, oui. Onglier. Tiens. Un onglier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un échalote. Ah non ! C'est un étui à ongles. Un étui à ongles. Ah oui. On appelle ça un onglier. Ou un, enfin, un nécessaire pour la toilette des ongles. Bah oui. Onglier. Ouais. 58-75. Oui ? Quelqu'un ? Non, c'est une erreur. Bien. Elle adore de temps en temps Sophie se lever comme ça, faire croire, et puis pouf, elle revient. C'est à... Surtout quand elle est toute seule, elle a perdu sa camarade. C'est à monsieur Pérez. Consonne. S. Voyelle. O. Voyelle. U. Consonne. C. Consonne. P. Voyelle. A. Consonne. N. Consonne. L. Voyelle. E. Combien de lettres, monsieur Pérez ? 7. 7. Pareil. Couple. 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 Il n'est pas mieux, là ? Peut-être, mais non. Dans la personne salle ne se manifeste. Non. Donc. Il n'y a pas donc. Bon. Comment ? 82-58. Quoi qu'il arrive, monsieur Théron, vous jouez pour l'honneur au chiffre. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Troisième. Quatrième.
8, 8, 3, 3, 4 et 2. Oh là là. Oh, oh, je le dis pas, non. Si. 991. Ouais, désolé. Stiron. 992, je crois. Pérez. Très bien. 8 plus 3, 11. Par 3, 33. Moins 2, 31. 31 multiplié par 4, 124. 124 multiplié par 8, 992. Ben c'est très bien. Ça mériterait presque 8 points. Eh oui, mais malgré ce bel effort final, M. Perron va nous quitter puisqu'il a été battu 82 à 64. Bravo, M. Pérez. Je suis content quand même. Et comme dirait l'ami Thierry Roland, vous allez repartir dans votre bonne ville de Tarbes. Oui. Et M. Perron va pouvoir enfin dormir. Avec. Oui, pas il va encore, pouvoir enfin dormir. Avec ses boîtes. Avec d'abord, attendez, vous avez gagné une fois, donc 500 francs. Un match nul, 250 francs. Avec des comptes d'apothicaire, donc 750 francs, plus. Une boîte, hein, plus la boîte, le chiffre et les lettres électroniques, la boîte du compte est bon, ainsi que le journal des chiffres et lettres Jeux Notre Temps, abonné pendant un an, numéro de février, qui est un grand concours dont je vous reparlerai un de ces jours. Merci infiniment de votre gentillesse, monsieur Terron. Vous étiez un peu coincé, ça va mieux? Ça va maintenant. Hein? Ce que j'ai perdu, ça va très formidable. Bien. Bah, c'est comme moi quand je pars, tout d'un coup. Ce Pérez, eh bien, bienvenue dans le club. Hein. D'accord. À propos de club. Eh bien, j'en ai pas. Oh, c'est pas vrai. Si. Et qu'est-ce qu'on fait? On se sent complètement... Vous n'avez plus de club? Non. Ça marche plus, alors? Si, ça marche très bien, mais là, bon... Alors, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut faire une déclaration, là, non? Personne ne veut profiter de la minute qui nous reste pour faire une déclaration. Ah ben je vais peut-être vous faire une petite déclaration quand même. Oui, oui, une rectification. Oui, faites-nous une petite déclaration. Allez-y, allez-y, faites une déclaration, allez-y. Non, non. Allez-y. On dirait une autre émission, enfin bon. Oui. Le nouveau club. Quoi? Quoi? Voilà. Club. Club, on le prend comme ça. Voilà. Alors, il y a un nouveau club à Royan, dont la présidente est Madame Gélineau. Et la secrétaire, Madame Pasquet, à ne pas confondre avec un autre club qui se trouve près de Royan, mais à Saint-Sulpice de Royan, parce qu'il y a eu des démêlés, des petits accrochages. Mais ce qui est intéressant, racontez-nous, alors, madame. Mais alors? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le club de Royan n'était pas content. C'est important. Qu'on avait annoncé... Oui. Le club de Saint-Sulpice de Royan comme étant à Royan, ce qui était une erreur monumentale. Alors. Et il n'en est rien, il y a un club à Royan et il y a un club à Saint-Sulpice de Royan. Donc, un dimanche à la sortie de la messe. Voilà, j'avais rencontré Madame Gélineau. Oui. Madame. Merci à André Véret de cette animation en particulier dans l'émission. Je trouve que c'est très bien. Vous êtes d'accord avec ce genre de petit gag comme ça, hein? Oui, non, mais c'est important parce que... Oui, vous êtes d'accord? Arrêt sur image. En général, ils ont l'air d'accord. Bien, André. Il est même question qu'on fasse l'émission en fixe avec nos voix derrière. Ça serait super. Oui. Vous pourriez même les faire de la maison en radio. Exactement. Ah oui. Hein, ouais, duplex. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt avec M. Pérez qui devient notre nouvelle tête d'affiche. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Dani? Si vous voulez dire quelque chose. Je parlais avec Bénédicte. Oui, mais on ne parle pas avec ses camarades tant que l'émission n'est pas finie, mon petit. Non, mais elles s'entraînent pour le langage des sourds. Vous savez, vous me ferez 10 ans de plus de chiffres de lettres, vous. Hein. Allez, bonsoir, merci. We'll be right back.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous savez qu'il s'est passé une chose assez effroyable la semaine dernière, enfin non pas la semaine dernière, hier d'ailleurs je crois. Hein. C'était... Oui. Et beaucoup d'entre vous ont téléphoné pour prendre des nouvelles de la maquilleuse qui avait eu plein de problèmes. Bah, elle va très bien, n'est-ce pas Brigitte? Hein? Prendre mon petit micro pour qu'on l'entende. Vous avez bien retrouvé tous vos pinceaux? Oui, ça va très bien Patrice. Tout va bien? Oui, faites voir, bien, faites oui. Voir. Vous n'êtes pas maquillé télé-vous hein, d'ailleurs. Hein. On va vous faire un peu le là, en comme fin ça là. Journée, ça... Non, parce que de temps en temps, elle nous fait des petites misères, on râle un peu et tout. Enfin bon, voilà. Enfin, tout va bien pour Brigitte. Ça va, moi. Petit pinceau, oui. Bon, voilà, je vais vous montrer son attirail d'ailleurs, dans le cadre des reportages sur le vif. Voilà, petit des lunettes et tout. Bien. Merci. Eh bien, je vais me proposer. Oh, pardon. J'allais vous présenter Monsieur Boulard, que vous voulez applaudir très fort. Il sera opposé ce soir à M. Pérez, à qui on fait un triomphe. M. Boulard, né le 2 juillet 55, marié, deux enfants. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre sur vous? Deux petits-enfants qui occupent pas mal mes loisirs. Oui. Parce qu'ils ont 20 mois et 4 mois. Mmh. Et donc, pas beaucoup le temps de jouer aux chiffres et aux lettres. Pas beaucoup le temps de jouer aux chiffres et aux lettres? Au Scrabble pendant les vacances et c'est tout. Ah! Bon, vos entraînements, donc, c'est le Scrabble. Et oui. Vous arrivez d'où, monsieur Boulard? Je suis français résident en Belgique. Vous faites quoi? Je suis professeur. De? D'éducation manuelle et technique. D'éducation manuelle et technique. Bertrand, une question vous posez, j'ai l'impression. Monsieur habite à la frontière, cependant. Oui. C'est ça. Menin, c'est la frontière belge. Oui, je suis résident et je travaille en France. Donc, si je comprends bien, pas complètement particulièrement entraîné. Oh, bon, ça, on va. Pas présent dans un habite club. Habite en Belgique, mais travaille en France. Non. Bah peut-être, vous savez que c'est comme ça qu'on gagne. Hein. Peut-être que finalement, on est complètement détendu en se disant « j'ai aucune chance ». On verra, comme on disait avec M. Pérez. Et puis boum, le premier tour, on prend le tour. Le deuxième tour, M. Pérez a un malaise, il le perd. Le troisième tour, et c'est comme ça qu'on finit par gagner. Bon, non, c'est pour rire tout ça. Allez, monsieur. Qui choisit le premier? C'est M. Bourlard et pas Boulard, comme je dis jusqu'à maintenant. Bourlard. Père ou impair, monsieur? Impair. C'est à vous. Première. Deuxième. Première, pardon. Deuxième. Troisième. Quatrième. 1, 7, 100, 9, 10 et 50. Cent soixante-quinze. 7 fois 50, 350. 3. Ne vous troublez pas. Oui. Alors, 10, moins 9, 1, plus 1, 2. 350 divisé par 2, 175. D'accord. Nous mettrons ça sur le compte d'un trac légitime. Oui. Monsieur Pérez. Consonne. P. Chut. Voilà. Voyelle, pardon. A. Consonne. M. Consonne. N. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. T. Consonne. L. Et voyelle. I. Mm-hmm.
C'est Pérez. 8. Pas mieux. Empilant. Empilant. Les participes présents, bien utiles. Du verbe empiler. Oui. Huit partout. Monsieur Bollard. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. R. Voyelle. U. Consonne. S. Voyelle. E. Et consonne. H. Sept lettres. C'est bon. Rieuse au pluriel. Rieuse. Une dame à 8. Du club de Montrouge. Réussie, ça fait que 7. Et puis. Réussie. Ça fait que 7, madame. Ça fait 7 lettres, madame. Mais c'était très bien tout de même. Madame est de Montrouge avec son club. Ah, on l'applaudit. Quinze et 8. Monsieur Pérez. Première. Seconde. Troisième. Quatrième. Première. Et quatrième. 9, 25, 7, 6, 4 et 5. Trois cent cinquante-quatre. 9 et 5, 14, par 25 égale 350, plus 4 égale 354. Score 16 à 15. Monsieur Bourlard, les lettres. Voyelle. A. Consonne. Q. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. A. Consonne. R. Voyelle. U. Et consonne. T. Voilà. 6 lettres. 6. 8. Ah ouais. Attaquer. Attaquer. Oui. Bravo. Et il y a également carto AUT qui désigne un petit fût de contenance variable. Ah ouais. De 57 à 157 litres. 24 à 15, monsieur Pérez, encore à vous. Consonne. Q. Voyelle. E.
Consonne. B. Consonne. J. Voyelle. O. Voyelle. I. Consonne. N. Voyelle. E. Et consonne. G. Monsieur Pérez. Je vais dire 6. Pas mieux. Une beigne. Vous écrivez B-E-I ? B-E-I-G-N-E. On l'a eu déjà. Oui. Oui ? Oui, oui. 6 points. 30 à 15. Allez, monsieur Bourlard, pas de découragement. Les chiffres. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Troisième. Quatrième. 2, 5, 10, 75, 6 et 2. C'est monsieur Bourlard. 280. Monsieur Pérez. Alors, 75 moins 5, 70. 2 plus 2, 4. 4 fois 70, 280. Oui, peut-être quelqu'un qu'on n'a jamais entendu. Oui, par exemple, madame. Madame, eh bien, allez-y. 2 fois 5, 10. Fois 10, 100. Par 2, 200. Plus 6, 206. Plus 75, 280. Très bien, madame. Vingt-et-un trente, monsieur Pérez. Consonne. R. Voilà. Voyelle. Pardon. I. Consonne. F. Consonne. F. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. K. Consonne. S. Et voyelle. U. Monsieur Bourlard, non, monsieur Pérez. 6. Pas mieux. Des furies. Des furies. Ah, il y a mieux. Allez-y, monsieur. Suffire. Ah, suffire, oui. Il y a cette lettre avec suffire. Suffire, oui. Alors, suffire, oui, et suffire aussi. Suffire qui peut prendre deux F, effectivement. 36-21, monsieur Bourlard. Voyelle. Eh oui, c'est encore à vous. Non, mais je suis étonné à suffire. Il n'y a pas de E. Il y a un E au bout de suffire. Au bout de suffire, oui, oui. Je suis étonné. Oui. Je suis plus cher. O. Consonne. D. Voyelle. E. Consonne. L. Consonne.
R. Voyelle. A. Consonne. H. Voyelle. E. Et consonne. Et R. Résultat de M. Bourlard. 6 lettres. Je veux dire 7. Déalé. Déalé, oui. Un terme de marine. Oui, un terme de marine qui signifie déplacer un navire au moyen de ses amarres. Voilà. Très bien. 43-21. Les chiffres pour M. Pérez. Première. M. Bourlard. Seconde. Troisième. Quatrième. Première. Et quatrième. 8. 1, 3, 4, 7, 50. Cent quatre-vingt-cinq. Le dernier résultat de la soirée appartient à M. Pérez. Le compte est bon. Oui. Alors 50 par 4 égale 200. 8 et 7, 15. Et 200 moins 15 égale 185. Oui, c'était pas très dur. M. Pérez est assez réjoui. M. Bourlard n'a pas l'air trop triste. Hein? Non, ça va. Je suis là pour jouer. C'est vraiment ça comme un jeu, effectivement. Mais il y a quand même deux tours à reprendre la prochaine fois. Oui. Vaste programme. Nous le retrouverons tous ensemble demain pour la suite et la fin de ce match. Bonne soirée à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Tout va bien, même le générique. 51-21, c'est un score que vous retrouvez devant vos yeux. Monsieur Pérez d'un côté, Monsieur Bourlard de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Dani? Vous seriez à quoi? Est-ce que j'ai fait une erreur ou quoi? D'abord, on ne se tutoie pas à la télé. On se vouvoie à la télé. Hein? On ne se tutoie pas. Et voilà. Mais je vais lui faire un petit baiser parce que quand même... J'ai bien mérité. C'est sa maman qui va être contente. Voilà. 51-21. Monsieur Bourlard, les chiffres. Première. Seconde. Troisième. Quatrième. Quatrième. Première. 100, 3, 8, 5, 4 et 9. (coughs) 434. (coughs)
Dit monsieur Bourlard. Le compte est bon. 100 plus 9, 109, fois 4, 436, 5 moins 3, 2, 436 ôté de 2 égale 434. Et ben voilà. 29,51. Consonne. N. Voyelle. U. Consonne. T. Consonne. N. Voyelle. A. Voyelle. E. Consonne. B. Consonne. R. Et voyelle. A. Pérez. 8. Pas mieux. Rubanan. Rubanan. Du verbe rubaner. Il y a toutes les chances que ce soit bon. On vérifie par acquis de conscience. Rubanan, du verbe rubaner. Oui, rubaner. Oui, oui. Mmh. 59 d'un côté, 29 de l'autre. Monsieur Bourlard. Première. Voyelle, pardon. C'est pas grave. I. Consonne. S. Consonne. D. Voyelle. E. Consonne. L. Voyelle. A. Consonne. X. Consonne. R. Et voyelle. U. Sept lettres. Sept. Partez le 8. Oui. Sidéraux. Sidéraux. Les espaces sidéraux. Les espaces sidéraux, oui. Bravo. Ben, on l'applaudit bien, franchement. Voilà. Vous faisiez des laideurs, et comme ça, c'était vraiment plus simple. Bravo, M. Pérez. 67,29, c'est à vous pour les chiffres. Première. Seconde. Troisième. Quatrième. Première. Quatrième. 2, 9, 1, 2, 25, 75. Et ma maman ? J'ai la quinte. 608. Moi, j'ai une couleur, c'est meilleur.
Résultat de Monsieur Pérez. 609. Pas mieux. Alors 75 moins 2, 73. 9 moins 1, 8. 73 fois 8 égale 584. Plus 25 égale 609. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, allez-y, Virginie. Monsieur, allez-y. Virginie, oui, nous avons dit, monsieur. Oui. Pardon, excusez-moi, je ne vous entends pas. 2 sur 2 égale 1. Voilà. 9 moins 1 égale 8. 75 plus 1 égale 76. 76 multiplié par 8. Mais oui. 608. Tout à fait. Je vais chercher le 1 et je vais faire 2 par 2. 73-29, monsieur Bourlard. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. D. Voyelle. U. Consonne. B. Consonne. S. Voyelle. E. Et consonne. G. C'est bon là. 6 lettres. 8. Déguisé. Mais oui. C'est carrément perdu mes mots. Déguisé. Vous disiez quoi, M. Bourlard ? J'ai carrément perdu mes moyens. J'ai l'impression, là. Oui. 81-29. C'est à M. Pérez. Consonne. H. Voilà. Voyelle. A. Consonne. F. Consonne. T. Voyelle. O. Consonne. R. Voyelle. E. Voyelle. A. Consonne. M. Monsieur Pérez. 5. 6. A. Tramé. Et E. Et il y a encore mieux dans le mieux, public. Oui. Madame de Sissy-Ambry. Aromate. Oui. Attendez, attendez. De toute façon, tramé, oui, effectivement. Tramé. Non, mais attention, il a dit 6, il y en a que 5. Ah, il y en a que 5 de toute façon, tramé. Vu. Et O. Oui, j'ai mis 2 E, moi. Eh oui, mais il n'y a qu'un nœud. Oui. C'est M. Pérez qui récupère. Donc ces 6 points sont récupérés par M. Pérez. Oui. D'accord. 87-29. On voulait me faire passer ça comme ça, mais pas du tout. Je m'en suis aperçu. M. Bourlard, les chiffres. Première. Seconde. Troisième. Quatrième. Première. Seconde. 7, 10, 6, 1, 4 et 7. Thank you.
Monsieur Boulon Pérez. Oui, non, Boulard. Le compte est bon. Oui. 7 fois 6, 42. Moins 4, 38. Plus 1, 39. Fois 10, 390. Moins 7, 383. Monsieur Pérez. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. B. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. A. Voyelle. O. Consonne. N. Et consonne. R. Pérez. 9. Oui. Reboisan. Reboisan, bien sûr. Ah, ça fait plaisir quand même d'avoir un 9 lettres. Ah bah dites donc, oui, ça fait bien plaisir un petit appel de temps en temps. Oui. 96-37, Monsieur Bourlard. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. M. Voyelle. U. Consonne. S. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. R. C'est Monsieur Bollard qui parle. Huit lettres. C'est bon. Tireuse. Tireuse. Il y a 9 lettres, Monsieur Smadja. Oui. Il y avait 9 lettres avec surestimé. Oh. Joli. Merci Gilles. 96-45 et nous terminerons avec Monsieur Pérez et les chiffres. Première. Seconde. Troisième. Quatrième. Première. Et dernière. Quatrième. Oui. Piège. 4, 5, 6, 8, 8, 9. Cent soixante-dix-neuf. Pérez. Le compte est bon. Oui. Alors 8 et 8, 16, plus 4, 20, par 9 égale 180, 6 moins 5, 1, et 180 moins 1, 179. Voilà.
Nous en sommes à la deuxième victoire de M. Pérez, qui a remporté un match 104 à 45. Et c'est M. Bourlard qui va retourner à la frontière belge. Plutôt en Belgique, d'ailleurs, la frontière française, c'est la même chose. Oui. Qu'est-ce que vous allez retirer de cette participation à l'émission? Oh, ben c'est... Si vous en reste quelque chose, bien sûr, si vous en restez rien, vous me le dites. Hein. Oh non, bon, c'est marrant d'être de l'autre côté, d'abord, et puis... bon, c'est un jeu, c'est tout. Vous l'avez pris comme ça, dès le début? Ben oui, je l'ai pris pour un jeu, quoi. Bien. Vous n'étiez peut-être pas exactement, comme vous le disiez vous-même, tout à fait assez entraîné pour tenir tête à des candidats qui... très aguerris, ils sont très aguerris. Voilà, le déchiffre des lettres, ça vous pouvez apporter ça peut-être à vos enfants. Ah, ils sont un peu petits. Petits couilles moussées, ça se conserve, hein. Dans le format, c'est... Non, il ne faut pas ouvrir la boîte. Ah, oui. Dès que la boîte est ouverte, c'est fini. C'est pas... vous mettez... Ou alors vous mettez au congélateur. Oui. Mais voilà, déchiffre des lettres électroniques, puis le compte est bon. Et enfin, le journal Je déchiffre des lettres, notre temps. Vous êtes abonné pendant un an. Merci beaucoup, Monsieur Bourlard. Monsieur Pérez, remercie. Tout va bien. Je sens que vous êtes content d'être là. Ah ben oui, tout à fait. Comme un poisson dans l'eau. Et puis alors maintenant, je vais me diriger alors pour une interview un peu spéciale vis-à-vis de Bénédicte. Il y a une chose qui m'inquiète, Bénédicte. Le bruit, je dis bien le bruit. Oui. Court, je suppose que c'est une bêtise complète, que vous nous quitteriez. Ah ben parce que je toussais comme ça, vous avez peur vraiment? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, un bruit court disant Bénédicte, éventuellement. Je vais essayer de m'accrocher. Vous restez avec nous? Pour l'instant, oui. Bertrand, est-ce que vous savez quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Ah non, moi je ne sais rien. Elle nous a dit je m'en vais, puis elle a ajouté de la caisse, alors... C'est compliqué. La question que vous nous quittiez vraiment, que vous quittiez votre place, cette émission, tout ça. Oh, non, mais j'en ai pas question, une seconde. Non, mais vous rigolez ou quoi, là? M'inquiétez. Peut-être faire place aux jeunes, non? Oh. Est-ce qu'elle est vieille? En anglais, ça s'appelle voilà, tout simplement « Fishing for compliments ». Bonsoir, exactement. Merci. Chers amis, bonsoir. Nous voici ensemble à nouveau pendant 20 minutes, eh bien, pour jouer, vous le savez, avec des chiffres et des lettres, en compagnie de M. Pérez, qui est là pour la quatrième fois, ou la troisième, la quatrième. Hein. Quatrième fois, mais il y a eu un match nul. Et vous aviez eu un match nul, vous en êtes très bien tiré. Vous êtes très supporté, je sais qu'il y a des gens qui sont venus de loin. Oui, c'est vrai. Hein? Et mes parents. Et Il y a vos parents aussi? Oh, oui. Formidable. Votre adversaire ce soir s'appelle M. Rouard. Il vient du Chesnay, c'est-à-dire de la banlieue parisienne. Côté de Versailles. Voilà, je vois sur votre fiche que vous êtes professeur, mais il n'est pas stipulé de... dans quelle matière? Anglais. Anglais. Dans une école privée de Versailles. Are you well today? Yes. Monsieur est vraiment professeur, il a compris ce que j'allais dire. Donc ça prouve qu'il a une... Et vous êtes né le même jour que moi, ce qui n'a aucune importance, mais c'est un beau jour, le 21 août. Vous êtes donc un lion, monsieur Roy. C'est ça. Bon. Donc vos élèves vous regardent ce soir ou... Oh oui, sûrement, ils vont même enregistrer. C'est toujours une chose difficile pour un professeur, je pense, de, tout d'un coup d'être jugé par ses élèves, non? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils savent que vous venez à cette émission? Ah oui, bien sûr. Et puis... Et alors, quels sont les conseils qu'ils ont pu vous donner avant de venir? Aucun conseil, mais enfin, ils m'ont demandé la date de manière à pouvoir m'enregistrer et me faire cadeau de la cassette. Ah bon, d'accord. Ils vous ont pas dit... Comment ils vous appellent? Professeur, monsieur Monsieur, si vous êtes mauvais, non, vous n'avez pas... Ah non, il n'y a pas de menace. Il n'y a aucune menace. Non. Bien. Monsieur Rousseau-Gourard, je vous souhaite bonne chance dans cette émission. Vous choisissez entre père et impère, monsieur. Impère. C'est à vous. C'est impère, c'est à vous. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Première. Deux. 25, 6, 10, 7 et 10. Deux cent soixante-quatorze.
Monsieur Roy. Vous comptez bon ? Oui. 10 fois 25, 250. 2 fois 7, 14. Plus 10, 24. Ajouté à 250, 274. Eh bien, ça part bien. Et Yvette Playet vous accorde 8 points. Ariel, supposons que j'ai un trou de mémoire, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, maintenant, nous passons aux lettres. Oui. Et c'est à M. Pérez de choisir. Vous avez fait ça toute votre vie, c'est formidable. Mais je suis, hein. Allez-y. Alors, consonne. P. Voyelle. E. Consonne. L. Consonne. T. Voyelle. I. Voyelle. O. Consonne. D. Voyelle. E. Et consonne. Et M. Cette lettre. Pour mieux. Piloter. Et Piloter. Oui, il n'y a pas de problème, mais il y a mieux en revanche dans le public. Alors, un petit micro, vite, Vera, monsieur. Une lettre avec diplômé. Ah, mais oui, bête, exactement. Que personne très bien. Personne ne l'avait vu, sauf nous, monsieur. Ariel, vous arborez une nouvelle coiffure, non ? C'est quoi ? C'est pour être mieux profilé. Oui, bien écoutez, je dois dire que je teste des coiffeurs, n'est-ce pas ? Et j'essaie d'en trouver un bon, ce qui est une chose difficile. Ce qui voudrait dire que là, vous ne l'avez pas encore trouvé. Je ne suis pas très satisfaite, non, il faut bien le dire. Vous nous donnerez l'adresse. Surtout pour l'éviter, oui. 8 à 7, c'est à monsieur Roua. Consonne. T. Consonne. R. Voyelle. U. Consonne. B. Voyelle. I. Un souci. Consonne. T. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. Et S. Le résultat de M. Roy. 7 lettres. 7. C'est bien. Détruite. Détruite. Et encore mieux dans le public. Trituré. Oui. Trituré. Mais exactement. Détruite, c'est tellement plus beau. C'est meilleur. Vous en consommez, mon petit Bertrand ? J'ai horreur de ça, vous le savez. Déteste le poisson. Ah, c'est vrai, vous n'aimez pas le poisson. 15-7. Monsieur Pérez. Première. Deuxième. Troisième. Première. Deuxième. Quatrième. 7, 3, 1, 75, 9 et 3. Oh. 197. Thank you.
Je suppose que Monsieur Pérez nous donne le bon compte. Le compte est bon, oui. Oui. Alors 75 moins 7, 68. Par 3, 204. 9 moins 3, 6. Plus 1, 7. Et 204 moins 7 égale 197. Vous raffinez un petit peu, il y avait beaucoup plus simple. Cela nous donne une égalité. 15 partout. Monsieur Rouard. Consonne. N. Voyelle. A. Consonne. R. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. T. Consonne. N. Voyelle. I. Consonne. L. Résultat de M. Roy. Cette lettre. Très bien. Reliant. 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 Du verbe relier. Du verbe oui. Relier, il y avait taurine, linteau. Annulé. Faisait aussi cette lettre. Et pas d'huit cette fois-ci dans personne le de ce manifeste. 22-15, M. Pérez, c'est à vous. Consonne. S. Voyelle. O. Consonne. N. Consonne. R. Voyelle. U. Consonne. D. Voyelle. E. Voyelle. U. Et voyelle. A. Résultat de M. Pérez. Cette lettre. Sept. Tant mieux. Rondeau. Rondeau. Oui, c'est une forme poétique, un rondeau. Une forme. D-E-A-U, hein, d'accord. Oui, D-E-A-U. Vous n'avez pas un petit rondeau qui vous revient en mémoire? Non. Charles d'Orléans, c'était pas Charles d'Orléans qui écrivait des rondeaux? Ou même Ronsard. Ça ne se dit plus. Au XVIe siècle, on Mignonne, allons voir si la rose était un rondeau, par exemple. C'est possible. Non. C'est sur deux rimes, et dans Mignonne, il y a davantage de rimes. Oh, tout ça, je la mets en valeur, hein, c'est formidable. Oh, merci, Patrick. 22 partout. C'est à M. Rouard, les chiffres. Quatrième. Première. Quatrième. Première. Troisième. Quatrième. 8, 1, 100, 8, 5 et 4.
C'est Monsieur Rouard qui nous parle. 567. C'est bon. Alors, 100 plus 8 plus 4, 112. Multiplié par 5, 560. Non, 4 ans vous gêne peut-être. Pardon, oui. 8 moins 1 égale 7, pardon. Et ajouté à 560, 567. Oui, quelqu'un l'avait ? Personne, ben nous en resterons là. J'étais au même point que monsieur. Bertrand a une telle carrure que quand il est devant le tableau, non, 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 mais dites tout de suite que je suis gros. Ah non, non, ah non, non, pas du tout. Vous êtes, ah, je sais que vous faites du bodybuilding depuis quelque temps, mais c'est vrai, oui. Depuis 20, hier, effectivement. 28, 22. Monsieur Pérez. Consonne. T. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. A. Consonne. D. Voyelle. I. Consonne. B. Et voyelle. E. C'est Monsieur Pérez. Cette lettre. Au mieux. Ailette. Vous écrivez A-I-L-E-2-T-E. Ah, des ailettes, oui. Oui, une ailette, c'est-à-dire une petite aile. Il y avait également établi. Et pas mieux dans le public. Ailette, et Monsieur Pérez prend la tête d'un tout petit point. 29 à 28, ce sont encore les lettres. Pour Monsieur Rouard. Voyelle. U. Voyelle. O. Consonne. W. Voyelle. E. Consonne. L. Voyelle. I. Consonne. T. Voyelle. O. Consonne. S. Résultat de Monsieur Rouard. Annexe 6. 6. 7. 7 pour vous. Ostiole. Vous écrivez ? O-S-T-I-O-L-E. O-S-T-I-O-L-E. Ostiole. Ostiole. Ah oui, c'est une petite ouverture. Ah oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Chacun des orifices microscopiques par où se font les échanges gazeux d'une feuille avec l'atmosphère. Et je reviens... Oui ? Bravo, on peut l'applaudir. Oui. Je reviens à ailette, je ne voulais pas dire que c'était une petite aile d'oiseau, c'est un petit élément mécanique, comme une bombe à ailette, par exemple. Enfin, c'est pas très gai, mais voilà. Puis là, il y avait sans rétrécir, sans ternir les couleurs aussi. Oui. Un avantage donc à Monsieur Pérez, 36 à 28, et maintenant Bénédicte s'est levée pour la dernière fois de la soirée, juste avant d'aller se coucher. C'est à Monsieur Pérez. Ah ouais. Alors, première. Ça passe vite. Hein. Première. Oui. Deuxième. Troisième. Quatrième. Deuxième. 6, 10, 5, 4, 7 et 6. Sept cent soixante et onze.
Pérez. 770. Roi. Je crois l'avoir. Le compte est bon? Je crois. Allez-y. Alors, 7 fois 10, 70. Non, je suis trompé. Non, ça me surprenait aussi. Oui, personne non, mais... de là, non, effectivement. 770, on pouvait y arriver. 771, c'est donc, rare. Vous offrez deux poids de plus à M. Pérez, qui termine cette première manche en tête, assez nettement, 44-28. C'est dommage, M. Rouard, car vous aviez bien tenu tête. Mais un tour, ça se reprend, comme nous disons souvent. Et un club, qu'est-ce qu'on en dit? Un club, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, nous allons dire qu'il organise un tournoi. Aujourd'hui, il s'agit du club de Quimper, dans le Finistère, qui organise un tournoi le dimanche 8 mars 87, bien sûr, à la Maison des Associations, impasse de Lodet, 29 000 Quimper. Il faut contacter Madame Lecor, téléphone 98 53 36 06, ou Madame Lemaine, 98 90 09 41. Et puisque nous sommes en Bretagne, restons-y avec notre Bretonne de charme qui va vous dire bonsoir, Bénédicte. Oui, tout à fait. Eh bien, je vous dis bonsoir et à la prochaine fois. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième manche du match opposant M. Pérez à M. Rouard. M. Pérez, vous le savez, si vous avez regardé la fois précédente, un petit avantage d'un tour en tout cas, et qui se chiffre au score par un score de 44 à 28. Bénédicte vient de se rhabiller. Qu'est-ce qui se passe, Bénédicte? Vous étiez... Vous pouvez refaire à l'antenne ce que vous faisiez. Vous avez une sorte de vent coulis qui... Oui, j'ai un petit vent coulis dans les reins, voyez-vous. Ah bon, bon. Tiens, c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans cette classe? Je baisse mon t-shirt. D'accord. Je vois que nos candidats sont ravis de le savoir. Monsieur Rouard, c'est à vous pour les chiffres. Vous me posez des questions, je réponds. Hein, chiffres ou lettres? Je pense que c'est à vous pour les chiffres, si Yvette m'a bien dit. Alors, première, oui, deuxième, troisième, comme ça, hein. Quatrième, pas quatrième, première. Ces termes volatiles ne sont pas solides. 3, 2, 9, 25, 3 et 7. (coughs) 537. Monsieur Rouard. Le compte est bon? Oui. 3 fois 7, 21. 21 fois 25, 525. Excuse. Bertrand. Décidément, mais pourtant là, j'étais sur ce panneau-là, non, vous voyez. Non, mais 9 et 3, 12. Ajouté à 525, 537. Oui, très bien. Il faut arrêter le bodybuilding. 36, 44. Retour vers M. Pérez. Je crois que j'ai arrêté le bodybuilding. Pardon? Je crois que j'ai arrêté le bodybuilding. B. Voyelle. E. On sonne. D. Voyelle. I. Consonne. V. Consonne. R. Voyelle. O. Consonne. N. Et voyelle. E.
13. Je veux dire que 7. 7. Pas mieux. Devinez. Devinez. Vous auriez dû me regarder. Évroïne. Rebondi. Oui. Oh. C'est la coquetterie. Pour qu'on lui mais dise. Mais non, Bertrand. Voilà. 51-36. Monsieur Rouard. Voyelle. A. Voyelle. I. Consonne. G. Consonne. L. Voyelle. E. Voyelle. I. Consonne. C. Voyelle. A. Consonne. L. Résultat de Monsieur Roy. Combien ? 6. 8. Ah oui. Glacial. Ben oui, glacial. C'est comme mon coulis. Ça et devrait oui. vous venir à l'esprit. Donc vous pouviez faire caillage, ce qui revenait au même. Caillage ? Oui, caillage. Caillage ? Absolument, caillage. Non, c'est l'action de cailler, bien entendu, cailler du lait. Et on dit du caillage. Mais quand on se caille, c'est pas encore entré dans le dictionnaire. Bon. Caillos. Ah, le monsieur Pérez prend un deuxième tour, 59-36. Et qu'est-ce qu'il dit à la petite Bénédicte ? Première. Il dit première. Je suis content. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Première. 1, 10, 50, 2, 8 et 5. Le compte est bon. Alors 5 moins 1, 4. 50 moins 4, 46. Par 8 égale 368. Ah, la table des 8. Allez-y franchement. 67-36. Monsieur Roy. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. R. Voyelle. O. Consonne. T. Voyelle. A. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. H. Monsieur Roy. C'est à moi ? Je pense, oui, c'est bien ça. C'est là, je crois que c'est vrai. Ben, monsieur Roy, je vais essayer 8 avec carotté. Vous n'avez pas mieux, monsieur Pérez ? Non. Carotté, vous écrivez ? Avec un seul. Carotté, deux T, hein ?
Carotter, oui, c'est-à-dire prendre, c'est un mot familier. Eh bien, exactement, ce n'est même pas dans le sens familier. Ça signifie extraire du sol une carotte pour l'analyser, en géologie, par exemple. Bon, puis ça a aussi le sens Mais moi, je l'ai dans le sens familier, tralala. Mais moi aussi, j'ai les deux. Ah, bah, c'est voilà. Bien. Bon, passons. Ils sont surprenants, nos camarades. Hein, ils vont finir ouais. Il y a une chose qui m'intrigue un peu, M. Rouard. Vous pensiez que ce n'était pas à vous, donc vous ne le cherchiez pas. Si, si, j'avais cherché. Mais, bon, en tout cas, ça tombe bien. Oui. 8 points. 44-67. M. Pérez. Consonne. V. Voyelle. O. Consonne. N. Consonne. C. Voyelle. A. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. H. Et voyelle. I. Pérez. 7. 7. Au mieux. Hélicon. H-E-L-I-C-O-N. On l'a eu déjà souvent. Hein. Cheval. Oh, bah oui, hélicon dans la chanson de. Mais il y a Bénédicte qui en a 8. Comment il s'appelle? C'est vrai, Bénédicte? C'est Souchon. Chevalin. Non, mais non. Ah, ouais. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Bobby Lapointe. Ah, rien de spécial. Ah bon? 74-44. C'est à M. Rouard pour les chiffres. Bah, l'hélicon, c'est un instrument de musique. Oui, bien sûr. Oui. Première. Seconde. Quatrième. Première. Troisième. Quatrième. 6, 1, 4, 9, 9 et 5. Sept cent trente-neuf. Monsieur Rouard qui parle. 729. 729. 738. Ah oui. Alors 9 fois 9, 81. Plus 1, 82. 5 et 4, 9. Et 82 fois 9 égale 738. Oui. Quelqu'un l'avait? Non. On a une série difficile de fond en ce moment, ce me semble. Le score est de 81 à 44, nous sommes d'accord Yvette? Monsieur Pérez. Consonne. X. Consonne. B. Voyelle. O. Voyelle. E. Consonne. N. Consonne. B. Voyelle. A. Voyelle. O. Et consonne. C.
résultat de Monsieur Pérez. Il y a 5. 5, au mieux. Bacon, B-A-C-O-N. Bacon. Bacon. On est un prof d'anglais. Même. Sursaute. Prendre l'accent, moi. Oui, bacon. C'est un mauvais tirage. 85, 44, le suroir. Consonne. B. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. A. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. M. Voyelle. E. Et consonne. R. C'est à M. Roy. 7 lettres. 8. Matière, pluriel. Matière, oui. Tout simplement. Tout simplement. Il y a beaucoup de mots qui échappent à l'un comme à l'autre, d'ailleurs. C'est pas bien. Non. 8 points de plus pour M. Pérez, 93-44. Dernier tour avec M. Roy, les chiffres. C'est pas le dernier tour? Ah, Monsieur Pérez, oui, puisqu'il vient de prendre le tour. Toutes mes excuses, ma chérie Bette. Je me prosterne à vos pieds. Je vous baise les mains. Première. Pied aussi. Première. Les jeunes. Deuxième. Deuxième. Troisième. Troisième. 8, 25, 7, 75, 6 et 10. Est-il chez vous, ce 635? Oui, le compte est bon. Alors, 75 par 8, 600. Plus 25, plus 10, égale 635. Mais tout simplement. Eh bien, le score final est de 101 à 44. Donc, la victoire de M. Pérez est très nette. M. Roy ne pourra pas le contester. Et non. Bertrand, à votre destination particulière, pardon, mais c'est une plaisanterie qu'on appelle vraiment boutique, vous voyez, c'est-à-dire entre nous, là, dans le notre producteur va dire vraiment, je trouve que là, M. Pérez a rossé Roy. Pérez a rossé Roy, Pérez a rossé Roy, Pérez a rossé Roy. Vous ne connaissez pas rossé Roy. Si, très bien, bien bah sûr. Voilà, mais bah, j'essaie de faire le lien. Non, mais l'astuce était là, c'est tout, à rossé Roy. Ah, c'est tout, ah bon. Voilà, c'est parce que... J'essayais d'aller plus loin que votre pensée, excusez-moi. Je sais que rossé Roy nous regarde de temps en temps, donc je le salue. Bon, vous ne m'en voulez pas, monsieur Roy. Non, pas complètement. Attendez, j'oublie tous mes papiers, j'oublie... Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, là. Mais je vous remets. Pérez a rossé Roy parce que Roy... Enfin, non. Non, ça ne va pas. Voilà. Ça va pas du tout. Monsieur Roy, je vous remets le jeu électronique déchiffrer des lettres. Merci. Suivi du compte est bon. Que voici. Et suivi du journal déchiffrer des lettres, jeu notre temps, le numéro de février. Superbe couverture, un peu brillante, là pour la caméra. Voilà. Merci en tout cas, monsieur Roy, de votre participation. Je dis à vos élèves que non seulement vous avez été bon, malgré quelques petites erreurs, mais en plus fort sympathique. Merci. Et que je veux bien aller prendre des cours d'anglais avec vous, je les mérite. Monsieur Pérez, c'est donc votre quatrième victoire. Troisième et demi. J'ai besoin de quelques cours d'anglais. Il ne nous reste absolument aucune seconde, car j'ai vraiment fait long là. Bonsoir, merci et à demain. Voilà.
Amateurs de chiffres de lettres, bonsoir. Deux candidats, deux jeunes candidats vont s'affronter pour votre plaisir et peut-être quelquefois pour votre angoisse. Il s'appelle M. Pérez, c'est un compagnon que vous connaissez très bien maintenant puisqu'il est là pour la cinquième fois, c'est ça? C'est ça, oui. Hein? Et l'autre candidat, alors là, un nom un petit peu plus difficile à prononcer, M. Losswarm. J'ai réussi? Oui, c'est bien. Bien. Dès que je fais une erreur, vous me le dites. Vous venez de Beauvais. Oui. Vous êtes étudiant. Oui. En quoi? À l'école supérieure de gestion et d'informatique à Paris. Ah bon, vous habitez Beauvais, mais vous êtes... Je fais mes études à Paris, oui. À Paris. C'est pas trop dur, non? Non, ça va. Ça va? Oui. Et puis, alors, vous avez des tas de distractions, des jeux, beaucoup de jeux. Le Jarnac, c'est un jeu? Oui. Ah bon. Je l'ai cité, tant pis. Et puis, vous m'avez l'air d'un sportif accompli, puisque je vois tennis, ski, des autres choses. Oui, oui, et puis le football aussi. Le football aussi? Oui. Bien. Vous êtes parti d'un club? Non, non. Pas du tout. Vous êtes un distingué amateur. Ouais, puis je regarde la télévision. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis beaucoup l'équipe de Marseille en ce moment. Oh. Ça, c'est bien. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Bon. Quoi, Foyou? Parce que vous êtes Marseillais? Oui, je sais, merci, monsieur Losswarm. Mais c'est pas pour ça que vous l'avez dit, je suppose. Non, 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 bien sûr. Voilà, j'étais sûr. Oui, on dit ça, on dit ça. Vous voyez comme vous lui prêtez de mauvaises intentions. C'est vraiment vous. Et le montant du chèque? Non, vous. Je suis désolé, vous décontenancez un candidat dès le début, c'est très méchant. Ah. Allez-y, monsieur Losswarm, je vais vous aider, moi, allez-y. Alors, père. Alors, première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Deuxième. 10, 4, 100, 8, 2 et 3. Oh, il n'a pas dit qu'il aimait la Bretagne. Hein. Losswarm. Le compte est bon? Oui. Alors 100 plus 10, 110. Attendez, là j'ai un problème grave. Voilà. Alors. Oui. Plus 2, 112. Fois 4, 448. Oui, droit à l'essentiel, très bien. Huit points. Monsieur Pérez. Consonne. B. Voyelle. E. Consonne. E. Voyelle. U. Consonne. Q. Voyelle. E. Consonne. G. Consonne. F. Et voyelle. I. Sept. La même chose. Réfugié. Réfugié. Oui, il y avait le nombre. Il y avait de nombreuses sept lettres, friquées, figurées, briquées. 8-7, monsieur Losswarm. Consonne. S. Merci. Voyelle. E. Consonne. N. Voyelle. U. Consonne. E.
consonne, S, voyelle, I, consonne, P, et voyelle, E. Le soir. 7 lettres. Oula. 8. Oula. Prussien. Combien? Prussien. 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 Il y en avait 9. Qu'est-ce qui nous donne le 9? Vous. Non, pas moi, Yvette, par exemple. Ah non, 8. Ah si, Yvette, soyez gentil. Vous n'avez pas 9? Non. Alors un monsieur va nous le dire. Pénurie. Absolument. Ça fait 8. Ça fait 8. Ça fait 8, pénurie. C'est ce que j'avais, mais ça ne fait que 8. Ah, moi aussi, je croyais qu'il y en avait 9. Là. Non, il y avait reprisé aussi au pluriel. Donc cela fait en tout cas un avantage pour M. Pérez qui mène 15 à 8. Je ne sais pas pourquoi il y a un brouhaha général. On se calme. Parce que je me suis levée peut-être, je vois. Voilà. Oui, quand vous vous levez, ça fait un espèce de brouhaha, c'est bizarre. Sent... Les chiffres. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Première. 1, 9, 2, 7, 5, 9. C'est bon? Oui. Alors 7 fois 5, 35. Par 9, 315. 9 plus 2 plus 1, 12. Et 315 plus 12 égale 327. Oui. 23, 8, monsieur Losswarm. Consonne. M. Consonne. P. Voyelle. U. Consonne. R. Voyelle. I. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. H. Et voyelle. A. Le soir. 7 lettres. 8. Rechampi. 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 R-E-C-H-A-M-P. C'est rehaussé par de la couleur, si je me rappelle bien. Exactement. Rechampir, c'est faire ressortir un ornement sur un fond, notamment par un contraste de couleurs. On fait ça, par exemple, pour des décorations murales. C'est-à-dire quand vous mettez du rouge, en quelque sorte, pour vous faire ressortir, vous faites vous rechampez, quoi. Voilà. Je suis rechampi, tel que vous me voyez. Ah, d'accord. Eh oui. Eh ben c'est formidable tout ça. Ça fait 8 points de plus pour M. Pérez. Attention, M. Losswarm, 31-8. Consonne. B. Voyelle. U. Consonne. S. Voyelle. E. Consonne. R.
Voyelle. A. Consonne. C. Voyelle. I. Et consonne. Yen. C'est à Monsieur Pérez, je crois. 8 lettres. Pardon, 8 ? Pas mieux. Cubaine. Encore ? Oh là là. Oui. C'est cubaine. On en a assez, vraiment. Cinnabon, c'était bon, ça. Cinnabon. Oui. Qui est-ce cubaine, Monsieur Le Swarm ? Un joueur de Marseille, je crois. Bravo. Exactement. Oui, il y avait Cinnabon. Un des deux avançants de l'OM. Allez, l'OM. Bon. Fa, yo. Ah non, là, il connaît vraiment, là. 39 à 8. Monsieur Le Soir, les chiffres. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Seconde. 8, 50, 5, 3, 4 et 6. Loswald. Le compte est bon ? Oui. Alors, 6 et 3, 9, plus 50, 59, fois 8, 472, moins 5, 467. Oui, pardon, exact. Cela fait 39 à 16, c'est M. Pérez qui reprend la manche. Consonne. Ou la main, plutôt, comme on dit. Reprendre la main, oui. H. Voyelle. E. Consonne. N. Consonne. C. Voyelle. O. Voyelle. U. Consonne. Q. Voyelle. E. Et voyelle. Et I. De Monsieur Pérez. 7 lettres. 7. Je vais essayer 8, oui, avec monsieur. Coquinet. Coquinet, ça serait joli. Oui. Coquinet avec quelqu'un. Coquinet avec quelqu'un, c'est super, ça, je trouve. Eh ben oui, mais partout sauf dans le dictionnaire. Oh, ah, bah attendez. Si, vous l'avez sûrement voir, Yann, ça ne m'étonnerait pas que vous l'ayez. Coquinet. Si. Non. Si même Ariel ne l'a pas. Non. Coquinerie, coquin, mais pas coquinet. C'est dommage. Il faudrait l'inventer. Oui. Ça valait le coup d'essayer, vous savez, monsieur Le Soir. 47 à 16, c'est à vous pour les lettres. Consonne. S. Consonne. D. Voyelle. O. Consonne. L.
Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. U. Consonne. V. Et voyelle. O. C'est à monsieur Lossois. Jexilette. 6. 7. Dévolu. Bah oui. Ah, oui. Être dévolu, être attribué. Mais il y a au des masculin 8. Masculin pluriel. Des 8. Avec Oléoduc. Ah, oui. Oui. Bravo, monsieur, ça s'applaudit, ça, Oléoduc. C'est espagnol, ça, Oléoduc. Oh. C'est quoi? 54-16, les chiffres pour monsieur Pérez. Première. C'est le soir. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Et seconde. 7, 25, 7, 4, 100 et 8. Cent soixante. Les résultats de M. Pérez. Le compte est bon? Oui. Alors, 8 et 7, 15, plus 25, 40, par 4, égale 160. Oui, pourquoi pas? Très beau parcours de M. Pérez, 62 à 16. M. Lossoirn, c'est dur, je crois qu'il vous a pris 3 tours. 3 tours en lettres, oui. Qu'est-ce qui se passe là? En lettres, je vois rien du tout. Et d'habitude, c'est nettement mieux. Bah oui, quand même. Oui. Bon, bah écoutez, vous ferez le maximum la prochaine fois. Monsieur Pérez est quand même sur une bonne trajectoire, si on peut dire. Et avant de nous quitter, j'aimerais saluer tout simplement messieurs Bell, Anigo, Forster, Bonnevet, Bade, Loré, Giresse, Passy, Sliskovic, Brisson, Diallo, Papin, Cuben, Galtier, Hidalgo et Badine, puisque nous parlons de Martial, restons-y. Et je leur souhaite à tous, monsieur Bernard Tapie, bien sûr, je souhaite à tous d'être champions de France, car la saison va bientôt reprendre. Bonsoir, merci. C'est fini. Oui, c'est encore nous, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, comme ça va bien d'ailleurs sur ce plateau, mes camarades. Pardon. Oh, excusez-moi, c'est la preuve très nette qu'ils n'écoutent jamais ce que je dis. Ça n'a aucune importance. Si vous êtes en train de parler, vous avez dit que vous étiez ravi de retrouver tout le monde, oui. Et que tout le monde était ravi de nous retrouver une nouvelle fois. Non, et puis j'ai demandé si vous alliez bien. Oui, ben ça, on va toujours bien. Bénédicte, par exemple. Pas très bien. Je vous sens frileuse ce soir. Non, ça va. Non, non, ça de ce côté-là, ça va. Non, mais elle a fait bien tomber ses plaques. Mon coulis vraiment... est parti. Elle a plus de plaques, enfin. Elle a plus de plaques, enfin. Et allez, 62-16. Le score est lourd pour le moment. J'espère que M. Lossoirn va tout faire pour remonter une partie de son handicap. C'est à vous pour les chiffres. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Première. Oui. Deux. Dix.
10, 6, 75 et 9. Monsieur Lossoir. 845. 45. Compte est bon. Oui. Alors 75 plus 9 égale 84. Par 10 égale 840. 6 sur 2, 3. Et 840 plus 3 égale 843. Ça paraissait tout de même pas très dur. Et oui, 70 à 16. Monsieur Pérez. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. I. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. A. Et consonne. R. Monsieur Pérez. 7, au mieux. Récital. Un récital. Ou calcite, mais il y a mieux. Oui, il y a 8 lettres avec lectrice. Avec monsieur Saul. Lectrice. Lectrice. Eh oui. Mais oui. Comment il s'appelle ? 16 à 77, monsieur Lossoir, les lettres. Consonne. S. Voyelle. U. Consonne. N. Voyelle. E. Consonne. M. Voyelle. A. Consonne. R. Voyelle. U. Et voyelle. E. Très bien. Marneuse. Marneuse. Oui. Oui, que nous avons eu déjà. Une terre marneuse, une terre où il y a des taxis. Cela fait 77 à 24. Et c'est M. Pérez qui se mesure à Bénédicte. Cela fait beaucoup rire. Non, c'est... personne n'a compris l'astuce de Bertrand. Mais, non. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Répétez-le, parce que c'est tellement bon. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est une terre où il y a des taxis. Bon, voilà, c'est tout. C'est tellement mauvais que c'en est drôle, non? Première. Première. Deuxième. Première. Deuxième. Première. 5, 8, 5, 4, 4 et 7.
800 et 1. Ça fait 801. Ah oui. Pérez. 788. 800. Oui. 5 fois 5, 25. Fois 4, 100. Fois 8, 800. Oui, au moins ça. Monsieur Saul encore. Monsieur Saul encore. Monsieur Saul est brillant, nous le savons. Alors, 8 et 4, 12. Fois 7, 84. Plus 5, 89. 5 et 4, 9, fois 89, 801. Et oui, c'était divisible par 9. Oh, il est très bien. Bravo. Ah, d'accord. Et tout s'affole, oh là là, les concerts s'affolent complètement, tout est à zéro. Madame, veuillez bien m'excuser. Je vous en prie, monsieur Yvette, reprenons-nous. Cette allons-y. Machine est folle. Cette machine. Ah, bah, ça y est, quand voilà. Non, 30 à 0, c'est pas ça. Non. On se reprend. Vous savez, il ne faut pas la bousculer, cette fois. Voilà, on essaie de se reprendre. Et ben voilà, pour le moment, tout va bien. Tout va bien, 77 à 30. C'est bien ? C'est bien. D'accord, monsieur Le Soir. Consonne. N. Voyelle. O. Consonne. K. Voyelle. I. Gnocchi. Consonne. P. Voyelle. E. Consonne. B. Voyelle. A. Consonne. D. On a le droit de s'exprimer. Six lettres. Six. Très bien. Abondé. Abondé. Oui, abondé dans le sens de quelqu'un. Monsieur Saul. Non. Ah. Monsieur Millot non plus. Bien. Ah, très bien. Bravo. 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 77 à 36, c'est à monsieur Pérez. Consonne. C'est à vous, hein, Patrice. Moi, pardon? Moi, je suis pas là. Hein. Oui, mais j'ai, Yvette me disait quelque chose. J'écoute quand c'est le chef qui parle, vous savez. Bon. R. Voyelle. O. Consonne. B. Je ne suis pas comme vous. Voyelle. E. Consonne. W. Voyelle. A. Consonne. H. Voyelle. U. Consonne. C. Résultat de monsieur Pérez. Une lettre, une chose. À boucher. À boucher. Oui, il n'y a pas de problème. Non problème. No problem.
C'est le soir, les chiffres. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Première. Trois. Trois. Deux. Neuf. Neuf. Et un. Trois cent soixante-huit. Résultat, monsieur Lossoir. 369. Pareil. Alors, 3 et 2, 5. 5 fois 9, 45. 45 moins 3, 42. 42 moins 1, 41. Et 41 fois 9, 369. Oui. Monsieur Saul. Bon, alors si monsieur Saul ne l'a pas, personne ne peut l'avoir. C'est bien connu. Coucou. Monsieur Pérez. Consonne. H. Voyez. A. Consonne. S. Voyelle. E. Consonne. N. Voyelle. I. Consonne. R. Voyelle. U. Et consonne. Et D. Vite, au mieux. Enhardi. Enhardi. Super. Ouais, très beau. Vous l'aviez vu, Patrice, sous la table. C'est bien, c'est joli ce que. 93-42. C'est à monsieur Lossoir. Consonne. R. Voyelle. E. Consonne. F. Voyelle. I. Consonne. G. Voyelle. U. Consonne. N. Voyelle. E. Et consonne. V. Comme vivette. C'est à monsieur Lossoir. Cette lettre. Je veux dire l'8, fringué. Bah et oui, bien sûr. Oui. Et oui. Vérifie, mais. C'est sûrement déjà dans le dictionnaire. Oh oui, oui, oui. C'est dans le oui, dictionnaire. Oui, 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 sans problème. Ça date même du 15e siècle, oui. Figurez-vous. Pardon. Oui. Non, non, il y avait une inversion de lettre. Ça date du 15e siècle, figurez-vous. Ah bon, tant que ça? Tant que ça, oui. 101 pour monsieur Pérez, 42 pour monsieur Lossoirn. Les chiffres, monsieur Pérez. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Et seconde. 6, 8, 1,
50, 75 et 25. Monsieur Pérez. Comptez bon ? Oui. Alors 75 plus 25 égale 100. Par 8 égale 800. 6 moins 1, 5. 50 divisé par 5, 10. Et 800 moins 10, 790. Très belle conclusion. Superbe victoire à nouveau de Monsieur Pérez qui gagne 109 à 42. Monsieur Pérez, je vous vois réjoui. Hein? On peut l'être. Et Monsieur Lossoir, eh bien bon, c'est dommage, un démarrage qui pouvait faire penser que vous alliez tenir tête au moins à Monsieur Pérez et puis un petit écroulement. Le monsieur est très fort. Hein? C'est vrai. Je vous remets Monsieur Lossoir pour repartir avec. Vous venez d'où déjà? De Beauvais. De Beauvais, c'est ça. Mais vous faites vos études à Paris? Oui. Donc n'emmenez pas ça, parce que on va tout... quand on se balade avec ça, on sait qu'on est perdant. Alors vous mettez votre manteau, vous voyez, je vous donne le truc, mettez votre manteau, bonjour, comme ça vous prenez un peu, hein. Vous aurez peut-être un petit sac. Voilà, Nathan. Pourquoi je dis Nathan, moi, tout d'un coup? C'est pas habituel. La petite Corinne qui a marqué Nathan. Hein? Des chiffres de lettres. Et puis là, il n'y a pas de raison que je ne dise pas l'éditeur non plus, Nathan. Encore. Le compte est bon. Et puis là, c'est le journal des chiffres de lettres, Jeu Notre Temps. Auquel vous? Je suis abonné pendant un an. 3 points de plus pour monsieur. Merci en tout cas, monsieur Lossoir. Monsieur Pérez, bravo. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mon cher Moulet. Qu'est-ce que vous nous dites? Pardon, Moulet? Une trente. Alors, il nous reste une trente pour... Alors, ça veut dire qu'on peut faire un club? Oui, ma grande. Oui, allons-y. Le club de Fréjus-Saint-Égulfe, dans le Var, annonce l'organisation de son tournoi interdépartemental le dimanche 8 mars. L'heure n'est pas précisée. Je vous rappelle que la responsable de ce club est Madame Guerre, téléphone 94 81 26 62, et que les réunions ont lieu habituellement au centre administratif de Saint-Égulfe, rue Lucien Boeuf, 83 600 Saint-Égulfe, tous les mercredis de 15h à 18h. Et maintenant, un petit jeu, où suis-je? Si vous me retrouvez avant la fin mission, vous avez gagné, je suis là, voilà, avec mes camarades les cadreurs, il n'y a pas de raison qu'on les monte jamais. Les voici, bonsoir à tous, merci et à la prochaine fois, ça va? Mesdames, bonjour messieurs. Il faudra écrire un jour des paroles sur ce générique, je ne trouvais pas Bertrand. En playback, on devrait lancer. En playback, vous étiez très bien comme je ça. Trouve qu'on... Non, à cappella, pardon, pas en playback. Ah bon, oui, on devrait lancer auprès des téléspectateurs un concours des meilleures paroles sur ce générique. Je suis persuadé que vous allez recevoir des centaines et c'est des ça. Centaines et de lettres. Et alors, je vous les enverrai directement chez vous, les lettres. Bah oui, je veux bien être le recenseur de ce concours. Eh bien, tant mieux alors. Donc, d'accord. Vous les adresserez directement à M. Patrice Lafont. Vous n'allez pas mon adresse, vous êtes gentil. Ah, mais ça, ils la trouveront. Eh bien, je suis d'accord. Je suis d'accord, on fait un concours, hein, et on envoie quoi au gagnant, la meilleure parole? Ça, c'est vous qui lancez le concours, alors c'est vous qui proposez ce que vous voulez. Un exemplaire de votre dernier livre. Mais c'est vous qui le paierez. Un exemplaire de votre dernier livre. Vous savez, comme ils sont avec moi, il faut que je paye, j'organise le concours, oui, je paye, je récompense. Mais c'est normal. C'est vraiment insensé, hein. Oui. Un exemplaire de votre dernier livre, nous avons des invendus. Les bouillons. Plusieurs exemplaires. Voilà. Le gagnant, et comme le Bertrand a raison,
aura 10 000 exemplaires du puisque nous en avons vendu 230, dont une centaine à nos familles. On a tiré à 5 000, aussi. Allez, soyons sérieux. Monsieur Foury, comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes venu directement de Saint-Étienne pour participer à ce jeu, où vous êtes étudiant. Oui. En quoi? En droit et sciences économiques. C'est du sérieux, ça. Oui. Mais je suis persuadé que dans la vie, de temps en temps, vous rigolez un peu. Vous faites quoi? Comme loisir, comme hobby. De mon croisé, de la lecture. Oh, ça reste très sérieux, quand même. Rien de très marrant, alors. Si, quand même. Ah, dites-moi un peu, allez, il faut connaître un peu mieux les candidats. Parce que M. Pérez, maintenant, on le connaît très bien, il est là depuis 5 fois, 6 fois. 6 fois. Allez, confiez-nous quelque chose. J'aime le football, le cyclisme. Saint-Étienne, bien entendu. Oui, les Verts. Ça, je peux les citer aussi tous, hein, vous savez, les Verts. Bon, et puis le cyclisme. Puis, le cinéma, non? Oui, un peu. Un petit peu. Éclectique. Et en ce qui concerne les chiffres lettres, vous êtes dans un club Oui, club de Saint-Étienne. Ah. C'est un derby. Ah oui, c'est un derby, oui. Vous le connaissez déjà, votre adversaire? Oui. Vous êtes rencontré? Non, je crois pas. Une petite fois, mais c'était un match en 10 coups. Ah bon? Alors, vous voyez, comme ils se connaissent, ils se sont rencontrés une petite fois dans un match en 10 coups. Je vais tout dire. Bien, et bien là, ça se passe en 20 coups, c'est-à-dire le double, sur deux manches, et c'est M. Foury qui choisit, le premier. Un pair. C'est à vous. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Deuxième. 7, 4, 6, 7, 4 et 5. Pariez. Oh. 923. Oh, je vous gâte là. 6 résultats pour Monsieur Foury. 917. 924. Oui, 924. Alors 7 x 5, 35. 6 moins 4, 2. 35 moins 2, 33. Par 4, 132. Par 7, 924. Oui. Très, très bien. Les lettres, Monsieur Pérez. Consonne. Q. Voyelle. O. Consonne. P. Voyelle. A. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. L. Voyelle. A. Et consonne. N. De Monsieur Pérez. Cette lettre. Pas mieux. Polenta. Ah, j'adore ça. C'est beau, la polenta. Berk. Oh, Berk. Bon, on s'en fera, Patrice et moi. On s'en fera, ma biche, on s'en fera. 13 pour Monsieur Pérez. Monsieur Foury. Enfin. Consonne. D. Voyelle. O. Voyelle. Voyez, elle vous a demandé, hein. Oui. D-O-E. Consonne. R. Consonne. G. Consonne. M. Voyelle. I. Consonne.
R. Voyelle. A. C'est Monsieur Foury qui parle. 7. Très bien. Amaudier. Amaudier. On est dans le classique. Oui. Amaudier, c'est amélioré. 13-7, Monsieur Pérez. Première. Deuxième. Troisième. Troisième. Quatrième. Troisième. 2, 10, 100, 8. 2 et 10. Cinq cent six. 2, Monsieur Pérez. Le compte est bon. Au mieux. Alors, 10 sur 2, 5. Par 100, 500. Plus 8, moins 2, 506. Vingt-et-un, 7. Monsieur Foury. Consonne. L. Consonne. N. Voyelle. E. Voyelle. A. Consonne. T. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. L. Voyelle. E. De Monsieur Foury. 9. Entaillé. Entaillé. Oui, entaillé ou une entaille, enfin des entailles. Oui, c'est bravo. Enfin, 9 lettres. Il y avait longtemps. Et je reviens à Amaudier, j'ai dit une bêtise au moins grosse comme moi tout à l'heure. Amaudier, c'est concéder une amodiation à un amodiataire, c'est-à-dire l'exploitation d'une terre contre de l'argent. Voilà. C'est tout petit. Qu'est-ce que vous disiez, Bertrand ? Je disais, c'est tout petit, alors. Oh, merci. Quand elle a dit, je suis grosse comme moi. Oh, mais c'est une fausse maigre, hein. Faut faire gaffe. Hein. 21-16. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il en fait, Monsieur Pérez. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. T. Voyelle. Pardon. I. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. A. Et consonne. L.
C'est à M. Pérez. 7 lettres. 7. 8. À l'été. Vous avez fait à l'été. A, deux L, A, I, T. Et oui, 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 oui. Bravo. Bravo, monsieur Fourré, vous n'êtes pas découragé, vous êtes fort bien revenu. Bravo, parce que ce n'est pas évident quand on est mené dès le premier tour comme ça. 21 à 16. À 20, non, 21 à 24, vous prenez la tête même. Et c'est à vous pour les chiffres, avec Bénédicte qui est affligé, je tiens à vous le dire, d'un mal de tête stressant, n'est-ce pas, petite Bénédicte? Absolument. Donc, toutes nos excuses auprès des téléspectateurs, si vous n'êtes pas aussi souriante que d'habitude. Voilà. Une sorte de. Comment on appelle ça en anglais, le headache. 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 Yes. Vous avez une sorte de headache. Je première. Fourri. N'en tenez pas compte. Deuxième. Troisième. Quatrième. J'ai encore compté première. Jusqu'à quatre. Deuxième. Trois. Neuf. Neuf. Cinq. Six. 75. Cent neuf. Oh. Monsieur Fourry, l'avez-vous? Oui, le compte est bon. 5 fois 9, 45. Moins 9, 36. Plus 75, 111. 6 sur 3, 2. 111 moins 2, 109. Et bien, très bien. Bon. Très bien. Et vous voilà bien installé en tête, monsieur Fourry. 32, 21, c'est à monsieur Pérez. Consonne. B. Consonne. S. Voyelle. I. Consonne. L. Voyelle. A. Consonne. X. Voyelle. E. Consonne. F. Et consonne. P. Pérez. 7. J'ai essayé 8. Oui. Fixable. Fixable. Ah, que l'on peut fixer. Est-ce que ça existe avec le suffixe? Pas chez moi, en non, tout cas. Non, moi non plus. Non, non. C'est peut-être une tentative intéressante. Oui. 8 points pour M. Pérez, ce qui fait 29 à 32. Et M. Fourry se retrouve face à des voyelles et des consonnes, comme le veut notre jeu. Consonne. J. Consonne. B. Voyelle. I. Consonne. S. Voyelle. E. Consonne. D. Voyelle. A. Consonne. V. Voyelle. U. Monsieur Fourry, oui, c'est sept. Ça. Très bien. 7. 7. C'est bon. Ebody. Ebody. Oui, c'est un mot que mademoiselle Barthès a trouvé il n'y a pas si longtemps dans notre émission, qui va devenir maintenant un classique. 7 points dans mon monsieur Fourry. 39, 29, les chiffres, monsieur Pérez. Première.
Première. Deuxième. Première. Deuxième. Troisième. 8, 4, 7, 7, 6 et 1. Oh, 904, je suis désolée. Pérez. 900. Pas mieux. Alors 7 fois 7, 49. Plus 1, 50. 6 plus 4 plus 8 égale 18. Et 50 fois 18 égale 900. Fin de première manche. Même nombre de coups, mais en même temps un petit... Petit avantage au tirage pour M. Foury qui mène 39-35, ce qui est très bien, je le répète, après un début difficile. Bonsoir et merci. Bonsoir. À l'issue d'une première manche fort équilibrée, puisque simplement 4 points séparent nos deux concurrents, à l'issue de cette première manche, M. Foury a 39 points, il est de Saint-Étienne, M. Pérez a 35 points, il est de Lyon. C'est bien ça ? Donc cette deuxième manche de ce derby promet, et c'est M. Foury qui débute. Première. Bénédicte ! Voilà. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Deuxième. 1, 25, 4, 3, 6 et 2. Je sais pas à quoi je pensais. Ça marche le fouet. Quoi ? Ça marche le fouet. 329. Quoi ? C'est le rose. Quoi ? Monsieur Foury. Le compte est bon. Oui. 2 fois 6, 12. Plus 1, 13. Fois 25, 325. Plus 4, 329. C'est pas bien dur. Franchement. 47-35. Monsieur Pérez. Consonne. F. Consonne. D. Voyelle. A. Consonne. J. Voyelle. E. Consonne. F. Voyelle. E. Consonne. P. Et voyelle. I. Vers 6.
je veux dire 7, affidé. Affidé. A2 affidé, 2 œufs. Ah, c'est bon, oui, oui, oui. Ah. Affidé. Cela signifie à qui l'on peut se fier pour un mauvais coup. Et au féminin aussi. Ah ben pourquoi pas. Oui. C'est ce que les je voulais femmes, vous faire dire, Mathilde Ariel. Les femmes, quelquefois, font de mauvais coups, rarement. Pardon, vous disiez ? Plus rarement que les hommes. Les femmes, quelquefois, quoi ? Font de mauvais coups, rarement. 35-54, monsieur Fourier, après l'avantage, c'est à vous. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. B. Voyelle. U. Consonne. T. Consonne. D. Voyelle. A. C'est bien. Débattu. Débattu. Oui, des applaudissements timides. Oui, c'est très timide. Oui. Et là, M. Fourier a creusé l'écart. 62-35. M. Pérez, les chiffres. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. Quatrième. 902. 50, 5 et 5. Oh. 117. Pardon. Le compte est bon. Oui. Alors 9 fois 2, 18, plus 100, 118, 5 sur 5, 1, et 118 moins 1 égale 117. Très bien. Monsieur Fourier. Consonne. S. Consonne. B. Voyelle. E. Consonne. R. Voyelle. A. Consonne. D. Voyelle. U. Consonne. L. Voyelle. I. C'est bien. Durable. Durable. Oui, des mots simples, mais qui rapportent. Oh, c'est joli ce que vous dites, cette petite empreinte. C'est vrai, oh. C'est très simple aussi, mais ça fait... Même tendresse. Ça fait mouche. Mm-hmm. 70... Moquez-vous. 70, 43. C'est Pérez. Consonne. Nous avions quelqu'un avant qui travaillait un peu dans la même... Mais oui. R. Consonne. N. Voyelle. O. Consonne.
M. Voyelle. E. Consonne. J. Voyelle. A. Consonne. R. Et voyelle. O. Ah, mieux. Ramener. Ramener. Ça aussi, c'est plein de tendresse. Ramoner, je me disais, mais où on va, là? Je disais, Thierry s'est trompé. Et c'était moi qui me trompais. C'est du hasard, je veux dire, les applaudissements sont très éparpillés. Hein. Il n'y a pas une... Ben oui. Pas une plaque. On peut faire un essai d'applaudissements, s'il vous plaît, une fois. C'est bizarre, hein? 70 pour M. Foury, 50 pour M. Pérez. M. Foury, regardez Bénédicte de profil, comme elle est meilleure. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Première. De face, bon. Pardon. 1, 75. 10, 10, 3, 6. Oui. 112. C'est bon. Oui. 10 fois 10, 100. 3 moins 1, 2. 6 fois 2, 12. 100 plus 12, 112. Eh oui, il ne fallait pas. Il ne fallait pas utiliser 75, effectivement. 78, 50. Il l'a utilisé? Non, il ne l'a pas utilisé. Il ne l'a pas utilisé. Il y a une émeute. Pas ça. Un malentendu. Non, on continue. Merci. Pérez. Consonne. C. Consonne. F. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. U. Consonne. T. Voyelle. A. Consonne. L. Et voyelle. U. T7. Pas mieux. Fluto. Fluto, vous écrivez? F-L-U-T-E-R-U. C'est pas le flutio, Fluto? Moi, je dirais flutio, oui. Il y avait factuel. Il y avait factuel. Fluto. Oui, Fluto, c'est bon. Ah ben moi, Fluto. Je ne l'ai pas. Vous avez de la Fluto. Chance. Fluto. C'est une petite flûte, effectivement. 57, 78. Monsieur Foury, les lettres. Consonne. X. Consonne. C. Voyelle. E.
consonne. M. Voyelle. O. Consonne. V. Voyelle. U. Consonne. M. Consonne. B. Monsieur Fouet. 6. C'est bien. Commuée. Oui. Oui, c'est-à-dire transformée. 84, 57. Les chiffres, monsieur Pérez. Première. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Première. 5. 4. 1. 7, 8 et 8. Quatre cent soixante. Thérèse, comptez bon. Alors 8 fois 8, 64. 7 fois 4, 28. 64 plus 28 égale 92. Par 5 égale 460. Oui, pour l'honneur. Bon. Belle poignée de main très sportive de la part de M. Pérez. Pourtant, il va nous quitter. Puisqu'il a perdu et vous étiez arrivé à... C'était la sixième édition. Sixième édition. Donc vous avez gagné 5 fois. Presque. Et un match nul. Voilà. Hein, c'est ça? Mm-hmm. Et d'ailleurs, je voudrais dédier ces victoires à Marcel Jacob, qui était le Patrice Laffont de notre club lyonnais. Voilà. Très bien. Monsieur Foury, content? Oui. Vous n'avez pas paniqué du tout, hein? Même au début, quand ça s'est mal passé, vous êtes toujours dit, je peux revenir dans la partie. Oui. Très bien. Ben, nous nous retrouvons, enfin vous retrouverez face à un autre candidat. Quant à M. Pérez, en plus de la somme d'argent qu'il va emporter et qu'il a calculé lui-même. Le jeu, l'abonnement pour un an. Voilà, vous pouvez le dire vous-même, ça sera aussi bien. Allez-y, allez, je vous le fais, vous voilà, me le faites tout seul. Alors. Le jeu des chiffres et des lettres. Oui. Le compte est bon. Voilà. Et le journal des chiffres et des lettres, jeu de notre temps, abonnement pour un an. Très bien, merci M. Pérez. Merci. Oui. Annoncer le club de Lyon. Si allez-y, je vous en prie, allez-y. Alors je voudrais dire à tous les amateurs des chiffres et des lettres de Lyon de venir nous rejoindre au club lyonnais des chiffres et des lettres. Pour cela, plusieurs possibilités. Alors, le mercredi soir à Caluire, le jeudi après-midi à La Duchère, le vendredi soir à Saint-Fond, et depuis peu, on a ouvert une quatrième section à Saint-Jean, où l'on se réunit également le mercredi soir. Donc, pour plus de renseignements, appelez Madame Jacob au 78 35 22 46, 78 35 22 46, ou moi-même au 72 50 41 49. Voilà. Petite question, en plus... Maintenant, vous êtes venu, vous êtes passé à l'émission. Est-ce que vous allez continuer à aller au club, à jouer comme ça? Oui, sans problème. On ne va pas simplement au club dans l'espoir de venir à jouer à l'émission et après on arrête. C'est rarement ça. Il y a un petit but, mais disons qu'on va au club pour s'amuser. Déjà, on a une bonne ambiance au club lyonnais. D'ailleurs, les Lyonnais qui vont nous rejoindre, ils s'en apercevront. Et bon, on continue. Il y a d'autres, il y a des tournois, il y a Nîmes. Voilà. Il y a Nîmes, c'est vrai. Ouais. Enfin, ça, c'est déjà un peu plus difficile, mais enfin. Merci en tout cas, M. Pérez. De rien.
Ariel. Oui. Un autre club, nous avons le temps? Bah oui, petit peu. Oui, eh bien, je vais annoncer, quant à moi, le club de Bergerac, en Dordogne. Ça vous rappelle rien? Pas loin de Sarlat. Ça va nous rappeler bientôt. Oh là bientôt. Là, oui. Ce club organise un tournoi le dimanche 1er mars à l'Amicale des chiffres et des lettres, 114 avenue Pasteur, 24100 à Bergerac. Et pour plus ample renseignement, contactez Madame Lacombe, téléphone 53 63 16 47, ou Monsieur Allary, téléphone 53 57 16 31. Merci Ariel, et en tout cas, un bonsoir particulier à tous les habitants de cette région, n'est-ce pas Bertrand? Oui, 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 oui. Que nous aimons beaucoup, comme d'autres d'ailleurs, mais j'ai un souvenir de vacances dans la région, je ne vous dis pas. Bonsoir, merci.